Je vais lancer l'opening, comme ça. Je donne. Hop là. Hop là, bonsoir. J'en étais où? J'en étais où hier? On avait quasiment vaincu Léani. On avait récupéré Okita. On était en guerre contre Kenshin. Je voulais augmenter d'un point le trust de s'animer si possible. Si je me plante pas. Ouais, s'anime me teste toujours. J'aimerais bien augmenter d'un point le perso. Et... on a beaucoup d'events, beaucoup de trucs à récupérer. Et il va me falloir que je récupère des unités à distance. Ça devient nécessaire. Pour ce qui est... clan Uesugi... honnêtement, je vais être honnête. Hein. Vu qu'il va se bouffer le scénario, je m'inquiète pas trop. C'est les Takeda qui vont poser problème. J'ai ça pour augmenter la satisfaction de Rance. S'il va falloir que j'essaie d'augmenter sa satisfaction, je vais tenter de récupérer les persos qui sont donnés. Par le bonus quand on appelle à l'aide dans une autre faction. Même s'il me faudrait aussi plus un point de mouvement pour Rance. Ça va être nécessaire, ça. Ouais. Peut-être d'abord le demander pour récupérer une nouvelle ninja, pour récupérer... je crois que c'est Kanami qu'ils envoient d'abord. Ensuite... une fois que Kanami est récupéré, je crois que c'est Maria ensuite. Les deux m'intéressent.
Si je demande de l'aide à Z, je crois qu'ils envoient Rizna, qui est au cac ou à distance. J'ai un doute vu que c'est une mage. C'est une anti-mage, techniquement. Je sais plus. Je peux récupérer le ninja qui est là aussi, mais bon. C'est vraiment pas le plus intéressant. Ah, recruter le l'ermite, ça pourrait être sympathique. Bon déjà, finissons les Annie. Je pense pas avoir besoin d'utiliser des unités trop puissantes pour ça. C'est des Annie, ouais voilà. Ils sont vraiment pas dangereux. Mes unités sont très faibles, hein. Les deux là elles sont très très faibles en termes de stats. Aïe. Toutes mes unités sont extrêmement faibles, qu'est-ce qui se passe? C'est des Annie en face les mecs. Vous êtes si faibles que ça ici. Pas de problème. Ah, voilà. Moins de moins. Deux de moins. Ah ouais, je suis... Je m'attendais pas à ça. Bon, ils sont quand même plus coriaces qu'il n'y paraît. J'ai sous-estimé des Annie, c'est jamais une bonne idée. C'est vraiment jamais évolué. Sen. Hop. Okita, va falloir te level up. One shot le mec en haut derrière. Ah ouais. Eh ben. Bon, lui est vaincu. Bon. Hmm.
pas eu le temps de jouer, lui. L'avantage c'est qu'il a mis un... il a eu le temps de mettre un buff de dégâts à s'animer. Et ça, disons que ça a fait le taf. Ça a vraiment fait le taf. Roi, sauvez-nous! Les humains sont chez méchants! Préparez-vous à mourir, ta poterie! Ah, j'ai peur, mon roi, sauvez-moi! Batestip! Non. Ramp marcha vers Yoshimoto. Il est là! Ah, ayez pitié, ayez pitié! Eh! Hey, fais le mort, je suis là pour te sauver! Meurs! Meurs, enfoiré! Ah, vous m'avez eu. Pas possible. Le roi n'y est mort. Il est un ange maintenant. Je pleure. On est foutus. Fuyez tous. Ah, Deli Magawaki. Ainsi, tous les amis ont quitté Yoshimoto. Tu peux sortir maintenant. Clic. Merci un million de fois. Je vous dois la vie, monsieur l'étranger. Merci, merci. Pas. Anko, pas. La famille fit un câlin chaleureux. Ah, heureusement que tu vas bien. Tu peux me pardonner, Anko. Je ne te blâme pas du tout, pas. Bon, ma récompense. Hein? Oh, la douce Anko est à moi. Mais pas, Anko. Ah, vous inquiétez pas, je rendrai votre fille heureuse. Pas. Ah, vous pouvez toujours venir la voir chez moi. Ainsi, le clan Imagawa fut détruit et Oda prit leur territoire. C'est la fin. Bon bah, let's go. Eh bah, il va bien. Motivé là, l'animal. 66, 36 sur 50. Je vais essayer de faire quelques events. Y'a pas un... Ah, je crois que... Ouais, non, il faut que je fasse les donjons d'abord. Là, on a Okita. Triumvirat. Murasame qui est très puissant comme arme. Si je m'en souviens bien. À la récupérer. On a le donjon Misokatsu. Un moine. Un casque. Bonton Bokiri. Elf Gold Jirzo. Kaguya. Ouais, je vais vérifier un truc. Les commandants avaient fini de se réunir à l'entrée du donjon.
J'ai récupéré les rapports des messagers. Tous les commandants qui vont participer dans cet effort sont arrivés. Pour cette histoire, sont arrivés. Très bien, c'est l'heure d'aller dans le donjon. À part lui qui est HS, on peut utiliser un peu tout ce qu'on veut. Toi, pourquoi t'as tes mains dans ce sac? Pardonnez-moi. Je m'en tape de ça, je demande pourquoi. Mes mains sont facilement froides, vous voyez, donc je les garde dans des sacs, même quand je dors. C'est plutôt bizarre. Rika, garder quelque chose dans quelque chose quand on dort. Intéressant. Et qu'est-ce qui se passe si je la laisse quand je dors? Ah, ça pourrait être intéressant. Faut que j'essaye avec Syl. Les monstres ici, c'est des blagues. T'es vraiment fort, Rance. Je pourrais presque tomber amoureuse. Mais quand tu fais du donjon, il vaut mieux arriver au l'étage final aussi efficacement que possible. Tu devrais éviter tous les monstres. Ouais, mais si on croise des monstres, on fait quoi? Y a une compétence pour ça. Dungeon Scooter. Si tu as la compétence Dungeon Scooter, tu vas creuser de monstres. Tu peux toujours avoir quelqu'un. Tu veux toujours avoir quelqu'un avec cette compétence quand tu explores des donjons. Les initiés peuvent la prendre. Tu l'as? Non, pas encore. T'as la pas? Dommage. Je vérifie un truc sur le wiki du jeu, c'est juste par rapport aux os. Est-ce qu'il valait pas mieux que j'aille... Hop. Non, c'est bon, il vient de me répondre à ma question. Très aimable de sa part. On récupère bien des os. Les os permettent d'acheter des trucs aux marchands. Un sujet même sert à rien. Replie-toi. Et on récupère Syl. On récupère Syl quand il y a des Annie en face. Génial. Ah, dernier étage. Là, ça va commencer à piquer un peu, ouais. Le caillou fever, ça a toujours fait mal, ces saloperies. D'où le fait qu'il soit level 25, hein, là où les autres sont niveau 3.
Les New, me semble que ça fait... Voilà, me semble que ça caste. D'où le fait de vite s'en débarrasser. Et toi, ouais, t'as fait de beaux dégâts. On va voir qui vous... Le Nio, il y a combien de temps avant qu'il caste? Ouais, il y a le temps. Popularity staff. Il semblerait qu'on ait atteint le dernier étage. Ce donjon vaut rien quand je suis dans le tas, vraiment. On a trouvé un trésor, mais toi aussi c'est bien, Maître Rance, non? Par là. Ah. Rance a envoyé un rocher dans un coin. Conk. Un Aniwa? Laissez-moi partir. Ça, tu me donnes envie de faire le poser. Pourquoi? Épargnez-moi et je vais vous apprendre quelque chose de sympa. Vas-y. Et si c'est chiant, t'es mort. Je vais vous parler des donjons. Le Nippon a plein de donjons comme celui-là. Quand on atteint le dernier étage, on gagne un trésor. Comme le trésor qu'on a gagné, c'est à dire qu'il y a plus de trésors ailleurs, j'ai hâte Maître Rance. En plus de ça, la première fois qu'on finit un donjon, la première fois que vous finissez un donjon, un miracle arrive. Tout le monde gagne un niveau. Ça inclut les personnes qui n'ont pas battu. Ah, mais vous pouvez pas gagner de niveau si vous êtes à votre cap de talent. Mais c'est cool, non? Ouais, ouais, t'as l'air vraiment fier de par quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, hein. C'est chiant. Meurs. Ah, là, il fuit, hein. Il s'est échappé. Donc pour résumer, quand on finit un donjon, on gagne un trésor et tout le monde gagne un niveau. Pas de récompense sexuelle par contre. Nul. Sil, on le fait. Quoi? Donc ma question c'est... Non, on perd pas de... d'unité. Et j'ai gagné... Les 20 nouvelles troupes rejoignent l'unité chaque tour. Hop. Je crois que ça c'est un event, on va en profiter. Voilà, parfait. Nickel. Donc là je suis à 70, je vais pouvoir gagner un point avec Rance. J'ai encore beaucoup d'events à faire, mais... Ouf, ouf, ouf. Du scénario ce tour-là? Je crois que c'est à partir de maintenant que les tours, il y a moins de scénario et plus de gameplay. Ah, quoique non, il va y avoir la fuite de Takuga, je crois. Ou c'est encore un tour après? Non, c'est là, voilà. L'équipe Takuga, la caravane de l'équipe Takuga arriva à la porte Shiko Calamity. Je me ferai jamais au fait qu'elle soit aussi grande. Ah, c'est plutôt grand. Facile d'aller de là à Schwerz. Pas facile de faire l'opposé. La porte est scellée du côté de Schwerz. Ça la rend presque impossible, ouais. Ryoma, tu récupères tout le temps des infos dans le coin. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un type maudit qui est doué, qui a une bonne oreille. Je lui donne de la nourriture et il écoute pour moi à la place. En échange. Cool. Mais comment on va faire pour passer? Mais on va vraiment passer par là? Ah, Schwerz sera à nous. Schwerz n'est pas le territoire de Mori? Yep. Donc ça veut dire... Il va falloir combattre Mori, oui. Mais... Si on ne le fait pas, on ne survivra pas. Le groupe regarda derrière eux. Les terres désolées de Shiko Calamity étaient une zone de quarantaine pour les Oni, les maudits et les criminels. Ils mettent les maudits et les criminels ici. Ce n'est pas un endroit pour que des humains vivent. C'est vrai. Ouais. Si je veux que mes amis vivent, il va falloir combattre. Je ne reculerai pas. Pareil. Et regardez, Gon est inquiet aussi. Gon est toujours comme ça. Gon. Ryoma. On peut vivre quelque part d'habitable, ça ira. Non, inquiet. Non. Combattre dangereux pour tout le monde. Je m'inquiète pour toi. Je sais.
Mais j'ai décidé de faire ça et c'est comme ça. Est-ce qu'on aurait vraiment dû se... Est-ce que tu... Tu ne t'es pas retrouvé ici juste parce que t'étais maudit? Plein d'entre nous nous sommes retrouvés ici pour une raison ou une autre. Mais il n'y a aucune bonne raison pour ce... qui mérite d'être laissé abandonner et mourir. Genre, les gens qui nous ont jetés ici ne nous traitent même pas comme des personnes. Et ils sont libres? C'est du bêtise. Donc je me combats. Et comment on va faire ça? Le type dont j'ai mentionné, avec la bonne oreille, va venir nous rencontrer. Quand il arrivera, nous allons découvrir quand est-ce qu'il y a le moins de gardes actifs et faire notre plan. Le truc avec les herbes sèches? Exactement. Ça va ouvrir la porte? Ah, c'est garanti. Mon unité dirigera l'attaque. Ensuite, ça sera ton unité, puis celle de Minet. Gon sera à l'arrière. Vous avez compris? C'est malheur bon. On peut essayer. Je compte sur toi, Gon. D'accord. Beaucoup d'archers. Autant leur ligne de front, elle m'inquiète pas. Par contre, leur archer... Voilà. Évidemment. Et c'est là où ça va commencer à me canarder. Voilà. Ça leur fait bien du dégât. Ouch. Chargé. Pas si bon que ça, c'est dommage. Bon, peut-être que c'était pas la meilleure des situations dans laquelle l'utiliser, mais... Alors... Ok... Général, je crois que je m'en suis plutôt bien sorti. C'est qui joue à la fin? C'est eux. J'aurais eu qu'une unité, mais je les ai un petit peu... Je les ai fait reculer, dans tous les cas. Ah! Du thé après les combats, c'est délicieux. Vous en voulez plus, Maître Rance? Passe. Hein, l'heure du thé va attendre? Quoi encore? C'est ce que je crois. Bingo, plus d'assassins. Homme ou femme? Homme. Ah, oublie, tu t'en occupes, Suzume. Le truc, c'est qu'ils sont déjà là. Ah. Cette fois, c'est Goro Komano et deux de ses disciples. Et il dit qu'il a entendu dire que tu étais doué et veut un duel. Hein. Allez, monte-lui ce que tu veux. Vas-y, Rance. Pourquoi est-ce que tu me forces? Ah oui, c'est vrai qu'ils sont un peu plus coriaces qu'il n'y paraît. S'ils sont capables de se tanker un hit de Suzume. Qui d'ailleurs est passé level 40. Voilà. Il va vraiment falloir que... Ouais, il va falloir que je lui mette un... De toute façon, c'est ce qu'on va faire. Le premier truc qu'on fait du tour. Lui mettre un... Une attaque en plus, avance. Ces types vont arrêter de venir.
Il y a plus dans un temps de guerre que des escarmouches. Va falloir que tu fasses un duel ou deux. Peut-être que je vais leur entraîner un peu alors. Ça fait jamais du mal de devenir plus fort. En parlant de ça, je vais dans des donjons pour m'entraîner mes compétences ninja et tout. Donjon. Ah, je devrais aller chez Ok. Oui, je pense que ce serait intelligent. Et nécessaire pour finir le jeu correctement. Vraiment. Gold du Money Management, c'est pas grand chose. 3000 balles. Et donc. Et c'est comme ça que j'ai fini par aider Studio. Cette voix. Bam! Rance rouvra violemment la porte coulissante. Oh! Bâtard, je t'ai dit de garder la bouche fermée! Ça fait si longtemps que j'avais oublié. Bah alors je vais t'aider, on veut me souvenir. Aïe! Rance prit Chaos et le frappa contre le sol. Arrête! Pitié! J'en peux plus! Pitié! Allez, arrête ça! Oui, ne soyez pas méchant. Et maintenant, tu m'agaces encore plus! T'as les filles de ton côté! Je suis un homme populaire. T'es même plus un homme, t'es un tas de métal. Ah oui. Bref, laissez-moi continuer mon histoire. Qui a dit que tu pouvais raconter des histoires? Je veux entendre, moi aussi. Sois maudit. Bon, ok, on va dire. Donc, il m'a utilisé pour affaiblir le démon jaune et il a achevé. Ah, tu disais la vérité, Ransan. J'ai du mal à croire que je ne pouvais pas te croire que tu avais. J'ai du mal à croire que tu avais battu 12 démons. 12 non, ça colle pas. Rance couvra la bouche de Chaos. Je vous l'ai dit, je suis incroyable. Désolé, c'est juste à croire. T'es une épée sympa, hein. Je peux te tenir pendant une seconde. Une belle paire. Tu sais que cette épée était un pervers. Oh, je suis habitué au pervers. Hein. L'interdiction de toucher tant que je dis que t'as le. Tant que je dis que tu peux, si ça va. Ben, dis que je le peux. Nope. Mince. C'est bizarre par contre. J'avais jamais entendu parler d'épée. J'avais jamais vu d'épée parlante avant. Je suis incroyable, hein. Même mes compétences de sexe sont incroyables. Laisse-moi toucher ta poitrine. Hein, peut-être un jour. Quand une fille dit un jour, ça veut dire jamais. En parlant de démons, Nippon a une légende à propos d'un démon. Il y a des siècles, un démon appelé Xavier avait attaqué le Nippon. Mais un moine appelé Gameipei, qui a ensuite fondé le Tenshiisme, l'a scellé. Juste scellé, donc il n'a pas été détruit. C'est supposé être impossible de les détruire. C'est pour ça que je suis impressionné que Chaos-san peut tuer les démons. Continue là. Après, à chaque fois, je suis en mode bon sens, mais il y a plus simple. Les louanges. Voilà. Les éloges. Continuez les éloges. Xavier est ressuscité par deux fois, mais il fut scellé à nouveau par les Tenshiistes. Ça m'a l'air d'être un gros loser, en gros. Maintenant qu'on a une épée comme Chaos-san, peut-être qu'il pourrait être détruit. Ah, je pourrais le détruire, ça c'est sûr. Qu'y a-t-il, mon cher ami? Puisque je peux te l'utiliser, ça fait que je suis incroyable. C'est pas que par rapport à toi, hein. Ouais, t'es incroyable. Bon, et maintenant, essaye de m'utiliser un peu mieux, mon cher ami. Mon âme sœur, ouais. Celle allait se débarrasser de moi, mais j'ai réussi à la tromper, à revenir côté à côté. Au moins, utilise-moi à mon avantage. J'aurais jamais te récupérer, hein. Utiliser me fatigue, t'es chiant. Ouch. Alors. Satisfaction de Rance. Plus un move. Ouais. Trop propulsionné. Ah, c'est Mitsuhide Akechi qui on peut bully. Voilà, c'était lui. Voilà. Ensuite, on va dire Suzume pour monter encore plus la satisfaction, logiquement. Quoique. Suzume, l'autre jour, tu m'as dit que tu m'avais pas tout montré, non? Tu veux dire quand on couche ensemble? Ouais. Ça veut dire que tu peux utiliser des techniques de Tokuinuichi? Ah ouais, mais les techniques de Tokuinuichi, c'est supposé tuer. Genre, te faire jouir jusqu'à ce que ton cœur arrête. Ou avoir un sac de poison qui se brise si tu la mets dedans, qui te donne une expérience paradisiaque, mais pas de la manière dont t'as envie.
Ou quand on s'embrasse, je laisse un peu de poison dans... Je peux dire gums. Dans de la gomme? Ah, dans de la gencive, ouais, voilà. Ouais. Laisser un peu faire passer du poison dans ta gencive avec la salive ou. Ok, non, là tu viens de me pourrir. Tu viens de me détruire toute motivation. Ah, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'entendre dans ce. Dans un jour paisible. Mais je te ferai pas ça, Rance. J'espère. Enfin, c'est peut-être pour tuer, mais il y a moyen de s'amuser avec. Ah ? En gros... Il faut juste que je me débarrasse du poison, ou que je me retienne, ou que je change la manière de l'utiliser. Et tu peux ? Ah, probablement. Oh ! Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas utilisé toutes mes tours avant. Si t'es intéressé, on peut essayer la prochaine fois, t'as envie ? Ok, bah, j'espère que t'as hâte. Mais t'es passé de dur à doux à dur à nouveau. T'es terriblement occupé, Rance. C'est ça qu'être un homme. Alors, livre camouflage. Je vais être honnête. Dungeon Scooter. ...50% de chance de survivre. Unité. Alors, viens voir. Attaque Luck. Ah, une chance d'avoir un buff de... Ok, ça c'est une chance d'avoir un buff en début de combat. On vend de la chance de capturer un adversaire. Plus 5% de revenus chaque tour. Augmente l'avantage en participant à la bataille. 2 points de bonus quand on finit la partie. Un monstre de moins dans les donjons. Réduit la chance d'être assassiné. Toutes les troupes sont en bonne santé. Ça réduit le prix de récupérer les troupes. 50% de chance de survivre, ou passe le temps 5 tours après le début, mais dans une scooter. Voilà, c'est très pratique. Ouh. Il y en a qui vont devoir se reposer un peu. On va récupérer ces deux-là. Ça doit pouvoir se gérer. Par contre, ils attaquent vite. Ah, ils viennent de faire une grossière erreur, par contre. Ok, c'est normal, c'est un ninja qui joue aussi vite. Mais là, grossière erreur. Toi, t'es gratuit. Les ninjas sont gérés. Elle va probablement, voilà. Et on se débarrasse de son bouclier et de l'unité là. L'unité, mais... Si j'y mets... T'auras le temps... 1, 2, 3, 4, 5... Si, c'est-à-dire que... Non, t'auras pas le temps. Donc, tente un assassinat. Ouais, il était osé, celui-là, mais bon.
un capturé, un tué. C'est une bonne nouvelle. En parlant de ça, on va relâcher quelques unités. Salut Nossi, salut le raid, comment vous allez? Non. Non, puisque le tuto c'est la première run du jeu. Non. Et salut Taos, comment va? Sinon, chercher la forêt pour des ingrédients pour faire du poison. Un polypocarae. Ah, je vais le ramener à la maison pour papa. Oh, et un matsutake. Papa va aimer ça. Oh, et un. Une super. Duper. Mushagari. Je devrais donner ça à papa. Attendez, Shinusama, vous allez vraiment donner ça à Motonori-sama? Non, c'était une blague. Ouh. Voilà. Bah, tu peux l'avoir, mange-le. Je ne peux pas, Shinusama. Trois films d'affilée? Eh ben. Ça devait être sympa. Aïe. Bon, Sen, occupe-toi de ça déjà. Presque. Ah, la charge, elle va piquer. Ouch. Mais il ne peut plus jouer, lui. Hop. Ouais, j'imagine. Honnête, j'en ai pas vu tant que ça, moi, des Miyazaki. J'en ai vu quelques-uns. J'avais pris le temps de regarder 3-4. Mais ok, pour l'instant ça passe. Bon, ça se passe bien. Voilà. Ah, c'est un reload. C'est un reload, ça, le jeu.
Ah, oui, le château de Castelgrillo. Lupin, j'ai vu que la dernière saison en date. Mais le château de Castelgrillo est plutôt réputé pour être un des. Ben, un des très bons. Qu'elle va attaquer l'autre. Eh ben, ils en veulent à s'animer. Ah, t'as de la chance. Moi, si je veux aller regarder le ciné chez moi, c'est une petite marche de va en ville plutôt. Comment ça se passe? Sumagoru l'entend. Les soldats. Beaucoup, beaucoup, Sumagoru l'entend. Il change de garde. Oui, il semblerait. T'as du saké, poisson, qu'elles disent. Bon, j'imagine que le travail sera suffisamment facile s'ils boivent comme normalement. Bah allez, c'est l'heure de rendre notre plan possible. Enfin, au moins ça rend notre plan possible. Yuzuru, comment ça va? Je travaille. Quelle taille tu veux la pile d'herbe? Aussi haut que possible, inutile s'il voit pas la fumée. Et fais pas ça trop de manière trop dense. Mêlez un petit peu éparpillé, sinon le feu risque de se répandre à des endroits qu'il ne devrait pas. D'ailleurs, Sumagoru entend quelques zonis qui approchent. Ils disent beaucoup d'humains s'approchent ici. Parfait pour une attaque. Où est-ce que tu as entendu ça? Il n'y a pas bien loin. Pas bien loin pour un voyage d'Oni. Yuzuru! Ah, je sais, j'ai entendu. Dépêchez! Mine, changement de plan. Allez avec Yuzuru. Il faut que tous ceux qui ne puissent pas combattre évacuent. Compris. Ah, Rima. Gon, on va sortir d'ici en vie, promis. Ne pense pas te sacrifier ou quoi que ce soit. Rima, les soldats, ils ont commencé à manger. Ils ont fini de changer de poste? Il semblerait. Ah, Oni. Sumagoru entend les Oni qui par là. Bien loin, beaucoup. Beaucoup. Très bien, vous avez entendu? Ouais. Oui. Allumez le feu! Wouh! Saké! Saké! Mais je suis pas sûr cependant. Est-ce qu'on devrait vraiment boire tout le temps? On s'en tape! Il n'y a personne qui vient ici! Personne ne saura si on fait le mardin un peu! Ouais, ça! Depuis que j'ai été assigné à cette porte au milieu de nulle part, Quand j'ai été assigné à cette porte au milieu de nulle part, je savais pas quoi penser, mais.
crois qu'il y a un grand combat qui se prépare. Je suis content de l'avoir évité. Vous sentez un truc? Ah, j'ai pas pété, hein, je vous le jure. Non, c'est pas ça, ça sent... genre quelque chose brûle. L'homme bourré se dirigea vers la porte. Quoi? Il y a un feu, hein? Il y a un feu sur le côté de Chico Calamity. Tu te fous de moi? L'homme courut hâtivement vers un endroit qui permettait de voir de l'autre côté. Beaucoup de fumée noire s'élevait de la porte. C'est un feu! La porte du côté de Chico Calamity brûle! Oh merde! Faut mieux aller éteindre ça! Ouvrez! Oui! L'homme alluma un appareil qui allait débloquer la porte. Elle s'ouvrit doucement. Cronk! Au final, elle s'ouvrit juste assez pour qu'une personne puisse passer. De la fumée passa de la. Par l'interstice. Une dame de ninja frappa profondément dans l'estomac de l'homme. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que. Toi! Voilà, c'est fait. Tout le monde, dépêchez passez par la porte. Pour aider leur à y à passer, Ryoma et Yuzuru ont utilisé la pareil pour ouvrir la porte plus grand. Avec la porte ouverte, il était clair que la fumée de l'autre côté n'était qu'un tas de d'herbes sèches en train de brûler. La porte en elle-même n'était pas en feu. Ryoma, les onis sont là. Dépêchez. De plus en plus de monde passait par la porte. Ah, une fille tomba. Les onis sont presque là. Yuzuru, ferme les portes. Compris. Miné. C'est la dernière, d'accord? Gone. Ryoma et Miné coururent simultanément. Gone était toujours dans la fumée. La porte se fermait graduellement. Et la fille ne s'était pas encore relevée. Gone se tena au milieu de la porte en train de fermer et l'arrêta avec son épaule. Pendant ce temps, Miné utilisait son seul bras pour tirer la fille vers du côté de Suers. Ryoma sauta sur l'épaule de Gone. Juste derrière eux se trouvaient d'innombrables onis. Bouffez ça! Ryoma envoya un sac plein de fragments de mini-ani sur le chemin des onis. Boum! Cela se transforma en une puissante explosion et bloqua le chemin. Alors que ça arrivait, Gon et Daryoma tenaient Ryoma contre sa poitrine et s'entra dans Shuers. Tong! L'instant où ils passèrent, la porte se ferma. Ryoma? Gon? On l'a fait, Gon! Ryoma serra Gon fortement. Ouais! Ryoma! Ça va? Ouais, et vous? Tout le monde est passé, on vient de vérifier. On l'a fait! Mais pourquoi pas brûler la porte? Ça aurait été bien plus rapide! Il est Ryoma et elle est Onryo. En même temps. C'est à la fois un homme et une femme. D'où le fait que c'est pas pratique quand tu traduis ça en français. T'inquiète, là je suis en guerre contre Kenshin. Et bon, pour une anecdote que j'ai dit redit. Kenshin Misugi de Sengoku Rance, c'est la première à avoir pris la première place dans la liste des meilleures héroïnes de visual novel, dépassant Saber, qui était en place depuis la sortie de Fate Stay Night. Donc qui était en place depuis 3 ans, je crois. Ouais, espèce d'idiot, qu'est-ce que t'aurais fait à propos des Oni? On allait essayer de passer sinon, c'est les... on essaie de s'échapper des Oni, c'est le but. Ouais, logique. Et tu me dis que je pense pas à l'avance. Ah, ta gueule. Mais, ça a marché. Ouais. Ryoma et Yuzuru se frappèrent les points. C'est vrai? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les citoyens de Chico Calamity
on réussit à passer par une porte et à en capturer Schuerst de ce qu'ils disent. Vous avez l'air de vous amuser. Très. Nous avons des voisins sauvages. Que faire? Voyons voir. Attendez et regardons ce qui se passe. Je pense que beaucoup d'entre eux sont comme moi. Des êtres maudits. Probablement. C'est marrant. Tellement marrant. Il vit sa meilleure vie, lui. Une unité a récupéré quelques troupes, ça c'est une bonne nouvelle. 17 gold, c'est pas grand chose, mais bon. Taxe pour 3000 gold, ça c'est mieux. Ah, eh bien. Je vous ai dit qu'attaquer était futile. Le moine tenait un bâton brisé. Il le regardait avec choc. Impossible, comment est-ce possible? C'est comme ça, nous sommes un peu plus furieux que la moyenne. Et puis, tu n'es pas à ton meilleur actuellement, non? Hein? Comment le savez-vous? Eh bien parce que la chose en toi est en train de ressusciter et va bientôt se sortir. Quoi? Je suis sûr que tu le sais. Tu as quelqu'un d'autre qui vit en toi. C'est pour ça que tu n'es pas dans le meilleur des états. Non, je n'en sais rien. De quoi parlez-vous? Eh bien, t'es sacrément tête de mule. Bon, je sais que t'es réveillé. Chikibu! Kagi sentit le... Le cœur battre d'une autre personne à l'intérieur de lui. Allez, regarde. C'est ton tour maintenant. Sors. Le visage du moine se tordit de douleur. Non, je ne perdrai pas ça. Ça. Ces derniers mots sortirent d'une voix différente. C'était la voix d'une femme. Quelque chose s'éleva de la bouche de la gorge du moine dans sa bouche et en sortit. Comme une langue couverte de salive, elle était humide et brillante. C'était une main, une immense main, monstrueuse et dorée, couverte du sang du moine. La main attrapa la mâchoire du moine de l'intérieur et le fils des cendres, ça le coupa en deux. Sa mâchoire tomba et s'effondra sur le sol. Au final, son corps entier fut coupé en deux. Les deux morceaux de son cœur tombèrent de gauche et à droite. Quelque chose en émergea de l'intérieur. Ça faisait longtemps, Shikibu. La femme appelée Shikibu souria. Tu vas les tuer après si longtemps? Ah, t'as du travail à faire, notre maître est de retour. Compris. Shikibu tourna la tête comme une poupée sans muscles. Bien, nous allons être occupés, il y a une vengeance à faire. Tout Nippon est notre ennemi. Ah, son magnifique coup tourna à nouveau. Encore deux. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Alors, buff... Suzume, ça sera intéressant. Sen, on est à un point. Honnêtement, je vais tenter Suzume, Sen et envahir ça. Est-ce que tu récupères tout le monde? Ouais. Donc, Suzume, normalement, c'est une Sen. Ouais. Parfait. Ensuite, item. S'animer. Un point. Devrait un peu moins me détester. Ronce marchait sur la pointe des pieds dans le hall. Sa destination était la chambre de s'animer. Ah, elle dit qu'elle veut pas, mais si je vais la voir en plein milieu de la nuit, alors elle va bien être d'accord. Attention, silencieux. Ronce ouvrira délicatement la porte de la chambre de s'animer et il rentra. S'animer n'était nulle part. Le col de France fut agrippé. Oh! Il fut jeté contre le sol. Ah, wow. C'était doux.
C'est le milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Oh, je m'infiltrais pour m'amuser un peu. Donc, allons-y. Très bien. Oh. Vous avez un petit peu d'énergie en trop, je pense. Dans des moments comme ça, il vaut mieux bouger son corps. Oui, alors. Entraînons-nous. Vous n'avez pas utilisé toute votre énergie durant la journée, c'est pour ça que... c'est pour ça que vous êtes comme ça. Alors allons nous entraîner. Non, pas besoin. Pas besoin de se retenir. S'animer prit Rance par la... Par la poignée. Je peux pas me libérer. Allons, vers le dojo. On va commencer par une centaine de... De coups d'entraînement. Non, non. Rance fut traîné jusqu'au dojo. Alors, Lancer Légion, Dovga x 2, dégâts équivalents au... Dégâts équivalents à tous les dégâts pris durant le combat. Ashigaru attaque, le Auto Wheel, je le garde. Statup, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Alors, soit dégâts x 2, soit les Avengers pillage, m'intéresse pas. Dégâts x2 peut être sympa. Allié Avenger peut être très très puissant aussi. Dégâts égal au... à tous les dégâts pris durant la bataille. Ou j'améliore la capacité, j'améliore l'attaque normale. Dégâts x 1-2. Hein. Non, on va lui mettre lanceur de légion. Et. Hop. À l'attaque. Pa-la-pa-pa. Gya! Pourquoi vous hurlez? Elle est là! La déesse de la guerre, Kenshin Uesugi. Oh, Bishamantan nous protège. Eh, c'est parti. C'est parti, Kenshin. Ah, allez, ramène-toi. Hein? Ça ne sert à rien. Quand je le regarde, je ne peux pas rester calme. Je sens mon cœur battre dans ma poitrine. J'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, deux secondes le jeu. Si on a moyen de solo avec Rance... Plutôt que d'utiliser toutes les unités. Crois-moi que je vais pas hésiter. On s'est satisfait. Ah, j'ai un event avec Seal. On a pris un nouveau territoire, on a 79. Je vais pouvoir commencer aussi à récupérer un petit peu plus d'unités. Je vais pouvoir demander de l'aide au prochain tour. Récupérer des unités, demander de l'aide, ça va être un tour de ninja. Peut-être récupérer les ninja déjà de base, les ninja qui traînent. Worker base, j'ai pas l'air trop cher. En temps de recherche. Parce que là, je vais pouvoir commencer à utiliser plus d'unités en un tour. Aussi, hein. Bon, il vaut rien en termes de stats, mais... Genre, il vaut vraiment rien en termes de stats, mais par contre, en termes de... Construction 1, négociation 1, recherche 1. Tu vaux rien... comme ninja. Là où lui, par contre, 001, par contre, il a de sacrés, sacrés dégâts. Commandeur charge et attaque luck. Ah, je vais falloir que j'y réfléchisse un peu. Il coûte cher. Bon, lui, il peut rester là. Ouais, je peux récupérer moins de là aussi, mais bon, pareil, pas trop l'intérêt. Bon, fin du tour. Normalement, Kenshin devrait m'attaquer. Ah, quoique, est-ce qu'il va pas y avoir la Revent? Il va y avoir le Revent.
Comme si elle venait d'être rassurée par une retirée, comme si elle venait de perdre un poids lourd, Kenshin revint de sa retrait solitaire des montagnes. J'espère que vous, les 3 jours que vous avez passés, ont marché. Alors ? Je vais bien. Je l'aime, mais c'est l'ennemi. Je suis Kenshin Uesugi. Défendre la paix est mon but dans la vie. L'étranger, le reste des Oda crée le chaos. Pour biger la montagne, je vais vider mon cœur et les vaincre. Je me demande si ça va marcher. Ah, je rigole, allons-y. Oui. Je suis pas sûr que vous allez rester très longtemps, les Akashi. Les gars, je me demande si je devrais pas les attaquer un jour. Parce que les Akashi sont faibles, donc je pourrais en profiter. Les Akashi sont vraiment très faibles. Déjà, Sonic Kenshin. Je m'inquiète pour les Takeda et les Mori aussi. Regarde Saryoma! Le sol il est assez grand pour qu'on puisse s'allonger dessus! J'ai déjà mis un fouton! Ouah, c'est osé, t'as choisi le meilleur endroit en plus! Deux en fait! Ah, oh, il y a encore plus de place! C'est comme ça que c'est pour les gens normaux? Ouais, c'est génial! Gon, viens là, Gon! Allonge-nous ensemble! Hé, les deux idiots! Izuru? Ryoma? Vous deux? Là! Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre de Motonari Mori. Motonari? C'est pas leur seigneur là? Pourquoi ils nous envoient une lettre? Je suis sûr c'était son territoire, vous vous souvenez? Ah! Ouais, logique. Ça dit quoi? Il veut faire une alliance avec le seigneur de Schwerz. Une alliance? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, mais. Pas comme si une alliance allait nous empêcher d'attaquer. Avant de considérer ça, qui est le seigneur ici? Pierre, feuille, ciseaux. Ah, perdu. Je suis le seigneur. Gon, tu seras le ministre en chef. Miné, t'es la princesse. Yuzuru, t'es le fou du village. Quoi? Je rigole, tu seras le tacticien, puisque je suis le seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ryoma est... elle est avec les 3 autres clans au château Mori. Êtes-vous le seigneur? Ouais. Quel est ton nom? Ryuma Sakamoto. Je déteste mon nom de famille, alors appelez-moi Ryuma. Oh, intéressant. Donc, pourquoi? Pourquoi me traiter comme le seigneur de Schwerz? J'ai volé votre territoire. Nous sommes ennemis. Peut-être, mais nous sommes semblables. J'en reconnais un quand j'en vois un. Tu es aussi maudit que moi. Je le suis, oui. Et ce gros, là, le grand type là-bas aussi. Oui. Intéressant. Ce n'est intéressant. Deux seigneurs maudits, côte à côte, incroyable. Donc tu vois, je suis prêt à t'offrir un territoire. Essaye de le diriger. Nous allons faire ça alors. Alors que Ryuma était de plus en plus agacé, Yuzuru lui chuchote à l'oreille. Et à quoi ce type pense? Il semble nous sous-estimer énormément. Hein? Je suis maudit, et il pense que c'est amusant. Ce qui signifie qu'il va voir comment est-ce que je gère mon état juste pour s'amuser. Qu'elle dit jusqu'où peut aller une bonne personne maudite, ce genre de pensée. C'est pas sympa. Moi ça me va. C'est un petit prix à payer pour avoir notre propre état. On va lui montrer qu'il est pas si coriace au final. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a une alliance? Oh, voyons voir. Je veux que ce soit une alliance forte. Pour force, améliorer une alliance, c'est facile. Mariage! Vous n'avez rien d'autre que des filles, il me semble. Ah, je sais. Tu te marieras, oui. La plus vieille, Telu, peut-être. Je ne... Ah, oh, c'est vrai. Tu ne peux pas avoir d'enfant comme tu es. La température autour de Ryuma descend précipitamment. Et sur lui, elle l'interrompt pas en mettant une main sur son épaule. Et Motonari, mec, j'apprécierais que vous ne provoquiez pas notre seigneur. Désolé. J'aime vraiment Ryuma. Je vous le promets. Le plan était d'ouvrir la porte. Ryuma, je crois. Le plan d'ouvrir la porte, c'est Ryuma. Avoir un mari comme lui.
Vous, pour ma fille, serez bon pour mourir. Quand la température autour de Guzurus le baissa aussi, Miné prit un siège devant eux. Matsunari-sama, c'est assez de nous provoquer. Si vous vous sentez insulté par leur manque de manière, je m'excuse. Non, ça va. À propos de l'Alliance, nous sommes tous les deux d'accord ? Oh, bien sûr. S'il y a des documents que nous avons besoin de signer, envoyez-les à Schwerz. Nous y allons maintenant. Ainsi, Mori et Takuga formèrent une alliance. Merde ! Motonari, cet enfoiré ! Il pense qu'il peut s'amuser de se moquer de moi, je vais le tuer. Ouais, brûlons l'envie. Tu sais, sa malédiction semble le rendre plus fort. Oui, c'est ce que les rumeurs disent. Alors, si tu veux le tuer, pourquoi ne pas briser sa malédiction, le rendre faible, puis lui donner une mort douce et une mort lente et douloureuse, avec un beau sourire. Essaye de s'éloigner d'elle en mettant à genoux. Son côté effrayant sort. Brutal. Personne n'est plus sauvage que Miné. Maudit. Quoi? Je sais pas. Shinou sortait la tête des buissons. Ouh, c'était marrant, bye bye. Shinou-sama, c'était génial, je suis au paradis. Il était plutôt mignon, j'aurais dû faire de trucs avec lui. Hein? C'est bizarre, je suis enceinte? Est-ce que je m'amuse trop? Non, ma contraception est ultra efficace, mais c'est bizarre. Bah, c'est probablement rien. Donc, et tu ne penses pas, Kusama? Quoi? Vous n'écoutiez pas? Je suis désolé. Tout va bien. Vous devez être inquiété qui après notre seigneur. Oui. Dans un moment comme ça, nous avons quelqu'un qui est supposé gérer les choses. Ouais. Ransan en fait suffisamment. Il ne se repose pas sur ses lauriers. Ouais, ce qu'elle a dit. Ah, bon sang. Je vais faire du thé. Le thé est pas bon pour 3G. Donne-lui de l'eau chaude. Je veux du thé! Quel état? Je suis en bon état. Je suis en bon état, j'ai un peu d'argent. Rancy les 3G et mangeait des mandjus et discutait. Ah oui, j'ai vu un tas de filles en uniforme scolaire autour de un château de Wari. Les écolières nippones portent des uniformes? Évidemment. En fait, l'uniforme traditionnel d'école vient du Nippon. Le dieu de l'académie, Michi Sugawara, a inventé cet uniforme magnifique pour les femmes, pour les braves femmes nipponaises.
Oh, j'avais beaucoup de filles en kimono dans le coin, donc c'est sympa de voir quelque chose de différent. Oui, mais Sama, dans son uniforme scolaire, est dangereusement adorable. Oh, je veux voir ça. Malheureusement, elle doit prendre une pause de sa scolarité, dû au problème avec le Kangoda. Bah, ah, j'ai envie de coucher avec une fille en uniforme scolaire. Bon, j'y vais, à plus tard. Vous y allez où? Ah, pff, une roue pas loin de l'école afin de pouvoir capturer une fille en uniforme scolaire. Je vais mettre un piège. Un instant. Le hurlement de 3G résonne dans la pièce. Vous pensez que ce soit acceptable? J'ai le pouvoir dans cet état, évidemment que ça l'est. En fait, je fais déjà ça à peu près quotidiennement avec des filles aléatoires. Et tu sais ce que je dois traverser. Vous avez la moindre idée d'à quel point je dois nettoyer après votre bordel? Mais je dois le supporter pour Kosama. Je dois supporter ça afin qu'elle ne entende pas parler de vous. Maître Rance, je ne pense pas qu'attaquer des écolières serait une très bonne idée. Mais je veux vraiment, vraiment le faire avec une fille en uniforme scolaire. Oh. Alors je peux... Oh. Le jour suivant. Il y avait des filles qui nageaient dans la rivière pas loin. Dans des uniformes... Dans les maillots de bain scolaires. C'est les mêmes à Nippon que sur le continent, ce qui semblerait. Je le crois. Je vais me faire une fille en maillot de bain. Je risque d'avoir à violer quelqu'un si personne accepte. Regarde s'il... Vous pouvez pas faire ça. Roger, récupère-lui un maillot de bain. Je devrais... Regarde s'il... Il s'amuse. Rance s'amuse, tout va bien. Satisfaction bonus. Et... Je veux ceci. Quel beau temps. Dans un jour comme ça, je devrais écrire une lettre. C'est un temps qui demande d'écrire des lettres. Demander des renforts avec un... C'est un temps qui demande des renforts en écrivant des lettres. Hein, je devrais demander à Lysias ou à Azet d'envoyer des renforts. On demande à Lysias. Sil ! Oui, maître Rance. Écris une lettre. D'accord. Ce sont des ordres de ma part, Rance. Envoyez quelqu'un de spécial. Uniquement des femmes. Bonjour, c'est Rance. J'ai quelques problèmes. Seriez-vous prêt de nous envoyer un combattant doué, un Wari Nippon? Une femme serait sympa. Merci beaucoup. Maître Rance, c'est fini. Très bien, donne-la au postier. D'accord. Et fais en sorte que ce soit un mail express. D'accord. Je veux juste vérifier si on... Parce que je connais les... Il me semble que... si on fait Lysias, il y a... Kanami. Puis il y a... Maria. Puis est-ce que c'est... La chef de... De la escouade. Comment elle s'appelle déjà cette chef d'escouade? Layla. Bon, Layla serait une samouraï. Et Zed, c'est... D'accord, Zed vient de rejeter un œil. Parce que je me souvenais de Risna. Il y en a deux autres. Mais je crois que c'est les deux persos importants de Rang 6. Salut Brice, comment va? Ils se sont bien passés vos matchs?
Un buff, elle va m'attaquer. Aïe, ça pique. Oui, bah, il me semble que c'est ce que t'as décidé d'avoir comme deck, donc jusque-là tout va bien. Ok. S'attaque. Je vais juste aller rapidement me chercher un truc à boire, que Mori me pète la gorge. Elle traîne à doubler. Je m'éclate, mais il me pète la gorge. Donc je reviens. Heureux. Voilà. Ouh. Yo. Le clan Oda nous repousse, mais pas la peine de s'inquiéter. Nous allons faire une attaque surprise cette nuit. Tout le monde, venez avec moi. Eh bien, peut-être que je vais pouvoir utiliser cette attaque pour faire quelque chose à propos d'elle. Allez, j'y vais. Ah. Eh, j'ai entendu qu'il y avait de la soupe miso. Oh, peut-être que je vais en apprendre un peu ce soir. Oh, l'ennemi! Maintenant, attaquez! L'attaque surprise du Esugi forçait l'armée de Oda à se replier. Sado, perdu un petit peu de territoire. Oui, c'était scripté, ne t'inquiète pas, je le savais. Enfin, je le savais, je m'en souvenais vaguement. On a Ronmaru, on a Katsuhiye. Senseba. Elle est en train de récupérer petit à petit des troupes. Ça va lui faire du bien de récupérer quelques troupes. J'ai 3 Odoni. Et que je regarde l'event là. Je suis à combien? 84 de satisfaction. Bon, si Kanami se ramène, on pourra augmenter la satisfaction sans trop de difficulté. Pauvre Kanami. J'apprécierais avoir Maria aussi, que elle est efficace. Elle m'attaque? Ah non, event. Kenshin et Nehai dirigeaient leur force principale contre Oda. Qu'est-ce qu'Oda fait? Rien pour l'instant.
Peut-être qu'on devrait essayer une autre attaque surprise. Kenshin-sama, notre armée a combattu plusieurs batailles de filets. Les troupes sont épuisées. Les plus importants, vous l'êtes aussi. Je vais bien. Faisons une petite pause. Pas seulement pour vous, mais pour les soldats. Très bien. Tenez, prenez un Orenigiri. Je l'ai fait avec du Nozawana, votre favori. Mangez. D'accord. C'est bon. Mangez plus. Kenshin-sama, Aïsama, c'est sérieux, vraiment sérieux. Le château Ushige a été capturé. Quoi? C'est impossible. Comment Oda a pu faire pour passer? Dites-moi ce qui s'est passé. D'accord. Le château a été pris par... Quoi? Kensei? Oui, Kensei-sama se rebelle. Oncle? Il a dit Kenshin Dono doit venir au château pour faire la paix. Et si vous ne le faites pas, il va emprisonner tous les commandants... Toutes les femmes commandantes qui... Il va tuer toutes les femmes commandantes qu'il a emprisonnées dans le château. Kensei Dono a dit qu'il n'a pas besoin de femmes samouraïs. Eh bien, il nous a eu. Désolé. Faire quelque chose à propos de ça, c'est mon travail. Bon, s'il y a quelque chose que je peux faire. Un plaisir de vous rencontrer, Seigneur Doda. Parler avec un mec, un sale mec, c'est jamais un plaisir. Dis-moi ce que tu veux. Évidemment. Le clan Usugi a retiré le statut de Kenshin et l'a remplacé avec son oncle, Kensei-sama. Notre clan combat à cause de Kenshin. Maintenant qu'elle n'est plus dans l'équation, pas besoin de conflit. Ainsi, Kensei-sama souhaite former une alliance avec le clan Oda. Comme preuve de notre alliance, on vous donne Kenshin Uesugi. Vous pouvez la punir comme vous le souhaitez. Vous me donnez Kenshin? Oui. J'ai entendu dire que vous avez quelques intérêts envers elle. Comment vous l'utilisez ne nous concerne pas. Nous n'avons pas mis le doigt sur elle. C'est une vierge totale. Le messager souria. Non. Oh, un bébé tard. Hein? Bien. Vous l'avez tué? Je déteste ces tas de merde. À partir de maintenant, on va sauver Kenshin en détruisant Yoshigi. Quelque chose ne va pas chez nous. Kiku, c'est mon corps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme, tu sais, genre bizarre et tout. Ça veut rien dire, ça. Juste, c'est bizarre. Quoi? T'es règle? Non, ce n'est pas ça. T'as pas foiré et t'es retrouvé enceinte, si? Je suis une experte là-dessus, vu que je m'abuse beaucoup. Peut-être que c'est la ménopause, alors. Non, toi. Mais je me demande ce que c'est. J'ai entendu quelqu'un faire tomber une pièce. Trouve-la. Oui, maître Rance. Où est-ce que c'est? Où êtes-vous, monsieur PS? Oh, la voilà, maître Rance. Très bien, bon travail. Merci. Je peux utiliser ça pour acheter des dangos. T'as de l'eau, toi. Oh. C'était quoi tes vannes? C'était vannes au pif. C'était vannes de l'arrache. C'était vannes du knocker. Alors la question que j'allais me poser, c'est l'item shop, ça coûte un event? J'ai entendu qu'un étranger vendait des biens rares ici, mais où? Je crois que ce serait moi. Bienvenue mon bon ami, dans la branche Nippon de la compagnie Ploupette. C'est toi? Attends, t'es qui déjà? Je suis Ploupette, marchand international. Oui, parfait, cherchez quand même un magasin, vends-moi quelque chose. Je n'utilise pas d'argent actuellement. Et comment j'achète des trucs? Avec de l'échange. De l'échange? Ouais, de l'échange. Je suis intéressé principalement dans les os d'Oni. Des os d'Oni? Tu m'as entendu. Il y a beaucoup à offrir en échange d'os d'Oni. Si tu en as, serais-tu intéressé? Alors, mets un explorateur dans votre unité, recherche plus 2. Mets un parleur dans votre unité, négociation plus 2. Transforme
100%, ils 100% toutes les unités. Oh, une histoire sexy. 30% de toutes les unités. Oh, bah vous avez rien. Bah pour l'instant. Ça me coûte un event, ouais, donc non, on va pas gâcher un event pour ça. On y ira le jour où on aura plus de données. Visiter le temple, ça ne m'intéresse pas, je crois que ça, fait, ça accélère les events. J'ai bien envie de commencer les events de la princesse Kaguya, et on va recruter lui, en tant qu'on y est. Est-ce que l'ermite incroyable vit ici? C'est ce que les rumeurs disent. Cet homme contrôle plein de... C'est l'homme qui contrôlait les pandas, plein de pandas dans cette bataille qui est... Dans la bataille qui est supposée être là. Un homme? Oublie, partons. Prends ce tournac en... Bah! Tu m'as fait peur! T'étais caché derrière moi! C'est moi vous cherchez, étranger d'Oda. Asia Sakura a déjà trahi mes attentes. Si vous pouvez les remplir, alors je me mettrai à vos côtés. Quoi? Dis-moi ce que tu veux. Une femme. J'aimerais une femme. Ah! Ok, pourquoi pas. Vraiment? Ouais, ça m'amuse. Un plaisir de travailler avec vous, alors. Quel est votre nom? Rance, le grand et le puissant. J'ai donné une femme à Kinda-san. C'était une salope un peu moche qui travaillait dans, dans la cuisine du château d'Oda. Je voulais me débarrasser d'elle de toute manière, donc au moins j'ai eu un truc en retour. Salut John, salut le raid. Ah, deux pierres d'une pierre deux coups. Je suis vraiment doué. Oui, Nossi. Bonsoir, Nossi. Comment on va? Donc, on a... Ça va. 6. Ah ouais, il coûte cher. Mais il y a des pandas. Ça vaut tous les pandas. Allez, j'ai envie de faire cet event. Un dieu? Oui. Quoi? Des objets brillants sont tombés d'une montagne près d'un village à Mikawa. Et apparemment, un dieu montait le chevauchait. Si on lui donne une offrande, on dit qu'elle soigne n'importe quelle blessure. Les gens du coin l'appellent la princesse dieu Kaguya. Et la révère et la respecte. La princesse, donc c'est une fille. Je ne sais pas si c'est une fille ou une femme, mais jugeant le nom, c'est probablement une femelle. Très bien, il faut que j'aille voir cette personne étrange personnellement. Ça n'a pas vraiment besoin d'être vous, mais... à quelle heure elle se montre? La nuit. Bien. Je me demande si elle reviendra. Qui peut le dire? Oh. Ça brille, quelque chose brille. Ah, Dieu, ayez pitié. Est-ce que l'une d'entre vous est blessée? Bip boop. Oh, mignonne. Je le suis, bip boop. Mon nom est Kaguya. Si vous avez besoin de soins, donnez-moi une offrande. Je peux vous soigner avec mon pouvoir mystique. Bip boop. J'accepte les offrandes de nourriture. Bip boop. La fille dans une tenue étrange agissait comme une divinité en ouvrant grand les bras. Ah, je suis pas vraiment blessé. Ah, vraiment? Pip pouf. Kaguya avait l'air dessus et... où se tenait son estomac grondant. Quoi, t'as faim? T'as quelque chose sur toi, 3G? Je peux donner ce mandjou. Il était dans ma poche, donc... il est un petit peu... il est un peu chaud. Waouh, merci! Pip pouf. Kaguya accepta un mandjou qui a été réchauffé par la poche du vieil homme. Donc, comment tu manges avec ce truc sur la tête? Rance frappa toucha le casque de Kaguya. Ça va, je peux faire ça. Pip pouf. Quand Kaguya poussa, appuya sur un bouton de sa tenue, le côté droit de son estomac s'ouvrit. Une fois que le mandjou fut inséré, la poche se referma. Pip pouf bing ting. Pip pouf. Une paille s'étendit à l'intérieur de la combinaison et Kaguya a su ça. Ah, c'était délicieux, merci. C'était quoi ça? Quand je mets de la nourriture là-dedans, ça se transforme en gel que je peux boire. Ça garde les mêmes nutriments, donc je peux manger plus efficacement. T'es pas un dieu?
on m'a eu. Pip, boop. Mais t'as dit que tu peux soigner les gens avec un pouvoir mystique. Tu es une claire? En fait, je suis une alien. Pip, boop. Quoi? Je vis dans l'espace. Ce truc, c'est un ovni. On les utilise comme véhicule. Pip, boop. J'étais en train de voyager dans l'espace, mais ça s'est... Mais il s'est endommagé dans sur chemin, et donc j'étais atterri au Nippon. Pip, boop. Donc, t'es pas du continent? Non, je viens bien de là, d'au-delà des cieux. Bip, boop. Waouh. Et ça peut être réparé? Normalement, j'utilise le rayon soigneur attaché à l'OVNI, mais des morceaux sont séparés, donc là je peux rien faire. Des morceaux? Oui, une culture est tellement différente qu'ils ne semblent pas être disponibles dans vos magasins. Mais mon peuple est apparemment venu ici à un moment dans le passé, donc si on va dans les souterrains, dans des endroits comme des donjons, on peut trouver des morceaux comme des objets non identifiés dans des coffres au trésor selon mes recherches. Et c'est quoi les morceaux? Alors, un ressort, un tuyau en acier et du scotch cellophane. Ok, bah je vais les trouver. Vraiment? Bip, boop. Mais en échange, coucherai avec moi, compris? Quoi? Bip, boop. Non, je peux pas. Bip, boop. Pourquoi? Bah regardez ça. Bip, boop. Rance montra, Kaguya montra à Rance une machine qui bip. C'est quoi? Un compteur de composition atmosphérique. Vous voyez que l'aiguille elle est sur le côté rouge et que la machine fait un bruit. Bip boop. Ça veut dire que mon espèce ne peut pas respirer ici. Bip boop. Si on enlève notre combinaison spatiale, on va suffoquer. Bip boop. Ah mince. J'étais inquiète à propos de la nourriture, l'air ou de comment rentrer. Quand le village a vu la lumière de mon ovni est venu. Bip boop. Il était blessé donc quand un villageois. Il était blessé, donc j'ai utilisé mon rayon soigneur pour le réparer. Pip, boop. Il m'a donné de la nourriture en échange, donc je me suis dit que je pouvais fonctionner comme ça, mais... Pip, boop. Ah, je veux rentrer. Pip, boop. Je t'ai dit, je trouverai les morceaux. Juste, couche avec moi. Mais... Vous devrez écouter quand les aliens vous parlent. Je ne peux vraiment pas retirer ma combinaison. Pip, boop. Très bien. Donc, quand tu réparais ton ovni, je vais avec toi. Tu peux enlever ta combinaison là-haut, non? Et puis là, on pourra coucher ensemble. Vous ne pouvez probablement pas respirer mon air, vous allez mourir dans l'ovni. Pip, boop. Oh, ça ira. Vous n'en êtes pas sûr? Quel est votre nom? Pip, boop. Mon nom c'est Rance. Rance? Pip, boop. Mm-hmm. Donc. Vous savez que ça peut vous tuer. Pip, boop. Ah, quand tu salues de coucher avec des gens, moi je supporte ce qu'il faut supporter. Hein. Pip, boop. Ah, mince, je le fais aussi. Pip, boop. Ok, je suis vierge, mais n'importe quoi pour rentrer. Boop. Cool. Ah, encore une victime. Boop. Ah. Magnifique, un autre bruit à mettre dans la liste des bruits. Bon, bah continuons à attaquer Kenshin. Je crois qu'ils valent plus rien maintenant. Lui, maintenant qu'il est buff, je le sors à tous les combats. Je voulais me débarrasser de lui. Au final, il est resté. Ah oui, ils valent plus rien. Bon bah... Cool. Elle est pauvre. Trahie par l'oncle de leur commandante. Voilà. Bon, elle a tellement de buffs que, ouais, dans tous les cas, elle faisait mal. Jouons la safe. Vas-y, Sen. Et achève-moi tout ça.
Je pense qu'il gagne beaucoup trop de buff. Je suis à combien? Donc 84. Je crois qu'à 100, je peux avoir une action en plus encore. Il va falloir que je calcule un peu cette histoire. Si je joue bien, j'ai moyen d'arriver assez vite à 100. Faut que je refasse cet event là. Que j'envahisse eux. Là, il n'y a pas grand chose. Il va falloir que je fasse l'event d'Okita. Il y a Kadami qui va se ramener, donc comme j'ai dit, ça va être assez pratique pour farmer un peu de satisfaction. Pauvre Kadami. Bon, ça fait que... Non, c'est Dieu qu'elle se fait bully, tout va bien. Elle était dans l'élite. Elle est, de toute façon, elle est, elle est dans quasiment tous les jeux, il me semble. Pas le 5. Pas le... le 4, oui. Le 6, oui. Le 7, le 8. Ah, il y a que le 5, ouais, il n'y est pas. Oh! Il vient en force! Il a un Katsuyu avec un buff de défense, il est... Aïe. Il est pas spécialement vaincable. Fatigué, Okita. Elle est fatiguée, la pauvre. Parfait. Et... Maro qui finit. On l'achève? Non. Bon, et ben on en a capturé un. Kensei marché frustré. Ah, Oda n'a toujours pas accepté la paix? Non, ils n'ont pas encore répondu. Envoyez un autre messager alors. Kensei hurla et parti. Kensei-sama, où est-ce que vous allez? La salle de punition. Je vais me calmer sur les femmes. Ces commandants de femmes m'ont insulté suffisamment longtemps. Il faut leur apprendre à avoir peur et à respecter les hommes. Vous voulez aller coucher avec Kenshin? Non, elle, je la garde pour la fin. Ça serait un... Ça, c'est plus drôle. Va et prépare la paix pour Oda. Si tu n'arrives pas à faire la paix, dirige l'armée et détruis Oda. Pas moyen. Je suis pas Kenshin ou quoi que ce soit. Ah, quelle enflure celui-là. Takeda commence à vraiment... Takeda est gros. Ce pays-là m'inquiète. Je vais être honnête. Ces trois-là, il va falloir que je les gère assez... Je pourrais les gérer. Je pense que ce serait intéressant de le faire. Commençons par eux, parce que je crois qu'ils disparaissent en event. Après, les fusils m'intéresseraient. Et j'ai fini de manger. Kosama, qu'est-ce qui ne va pas? Votre repas et votre assiette est à moitié pleine.
Vous ne grandirez jamais si vous ne mangez pas plus. Désolé, j'ai ni assez pour aujourd'hui. Vous êtes inquiète pour notre seigneur. Au point de vous ne donner même pas manger, je vois, mais... Vous devez... C'est mauvais pour votre santé. Essayez de manger un peu plus. D'accord. Ne te force pas à manger un coup. Excusez-moi. C'est une question du clan Oda. Restez loin de là, étranger. Ransan. C'est juste du riz, ils appelaient ça de la nourriture. Si tu veux pas de l'amidon, mange des bonbons. Syl ! Oui, maître Rance. Je ne sais pas si vous le voulez, mais j'ai fait du pudding. Je me doutais que vous n'allez pas avoir faim, donc je pensais que ça allait être facile à manger au moins. Syl met un plat de pudding à la fraise en face de Kou. C'est rouge et ça bouge, c'est joli. Mangez si vous le souhaitez. Merci Syl-san, je vais essayer. C'est bon ? Ravi de l'entendre. Je n'aurais jamais pensé à ça. Je vais faire de la gelée demain. Alors, on a l'event avec le Tengu, un event avec Kaguya, un event avec Uchiha. En termes de force, bon, Uchiha un petit peu bouffé, mais à part ça, tout va bien. Je suis pas obligé d'utiliser dans tous les cas. Je peux utiliser Akindasan plutôt. C'est pas le meilleur des soldats, mais il est toujours intéressant. Ukiyo-ye. On prend du temps à arriver, dites voir. Even Akindasan. Akindasan s'est genouillé devant Rance. Je suis ici pour vous remercier de m'avoir laissé me marier à Yui. J'étais ravi de te l'offrir. Je vois. Yui travaillait comme chef. Elle était une terriblement bonne cuisinière. J'ai gagné du poids depuis qu'on a commencé à vivre ensemble. C'est sympa. Et quand elle a vu l'état de mon corps, elle était triste à essayer de me réconforter. Qu'est-ce qu'il y a à ton corps? J'ai une malédiction qui me rend anormal. Le masque cache un visage monstrueux. Ah, je savais pas. J'ai un cœur perfide, donc la première chose que j'ai fait était de montrer ça à Yui. Et selon sa réaction, je comptais la tuer. Yui m'a accepté entièrement. Elle n'est peut-être pas la femme la plus attirante, mais je pense qu'elle serait... Mais je trouve qu'elle est une femme merveilleuse. Donc, t'es maudit. Oui, malédiction permet de contrôler les animaux. Waouh. Afin de servir Oda, j'aimerais rester maudit. Yui dit que ça ne la dérange pas. Prince Dono, je vais continuer à travailler pour Oda si vous l'acceptez. Travaille pour moi comme si ta vie en dépend. Ensuite, Uchiha. Bonjour. Salut. Pourquoi t'agis nerveusement? Je ne suis pas sûr de quoi faire. Tu mérites un peu. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je sais, je vais m'en aller. Je m'excuse pour... Si c'est rude. Nozomi essayait de passer par côté de Rance. Il tendit le pied. Ah! Ponk. Nozomi trébucha. Ouch. T'es pas doué. C'était cruel. Quoi, j'ai suffisamment d'argent pour faire ça. Et même si j'ai moyen. Ça coûte cher, mais. Voilà, elle passe à 500 unités. Hop, France, Sen, Akindasan. K, Jumé, et Iziroko. Deux îles. Lui d'abord. Voilà, parce que c'était évident qu'elle allait commencer comme ça. Scène à tanker. Elle est gérée.
ensuite Iziroku. Puis normalement tu dois gérer celui-là. Parfait. Et là, vous pouvez y aller. La bataille devrait bien se passer. Je veux dire, ils se font dévorer par des pandas. Je vais pas avoir trop peur. Parfait. Oh. Défense textbook. 6. Voilà. En prison, ils sont combien? 15 sur 30. On va... Je vais choper des mecs du Isugi. Regardez les deux Uesugi que j'ai, on sait jamais. Un level de plus. Parfait, fin du tour. Je pense que le tour suivant, Kanami devrait se ramener. L'ennemi contre-attaque à Sado. Ramaru, Katsuye, Ukita. Non, des archers. Aïe. Bon. Honnêtement, dépoque-moi ça le plus vite possible. Voilà, ça se passe mieux. Là, je vais me faire un peu cribler de flèches. Aïe. Alors, visez d'abord ceux qui ont le plus de points. Elle, celle du haut, elle a juste un tour, donc elle a fini de jouer. Même si elle va faire mal. Tu tankes, Nozomi? Ouais, tu tankes, ça va. Bon, bah, tu peux les ajouter.
pas réussi à l'achever. Voilà. Oh, un autre... Ken s'est marché frustré. Toujours pas ? Oden a toujours pas répondu ? Non. Envoyons notre messager alors. Ken s'est hurlé. La salle de punition. Tu l'as déjà balancé, Steven, non ? Tu te répètes le jeu, non ? Est-ce qu'il faut que j'attende que Mori nous attaque, qu'elle les attaque ou pas ? J'ai un doute. Isakashi. D'accord. Kou se leva de son cou couvert de sueur. Quelque chose ne va pas ? Susumi-san ! Tu grognais terriblement fort ? Tu as fait un rêve effrayant ? Oui, un peu. Mon frère. Nobunaga-sama ? Oui. Il était là, et il y avait des gens couverts de sang, et du feu. C'était effrayant. Désolé de l'entendre, mais c'était juste un rêve. Hop, juste un rêve. Je le sais, je peux utiliser ma magie ninja sur toi. Nin nin nin. Voilà, t'auras plus de rêves effrayants. C'est vrai, hein? Essaye de dormir, tu vas voir. D'accord, je vais le faire. Je suis là pour te protéger, donc je veux que tu te sens en sécurité. D'accord, merci Sizumi-sama. Bonne nuit. Bonne nuit. Je réfléchis sur ces deux-là. Je vais peut-être attaquer Iga plutôt. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour l'instant. Ça pourrait être intéressant à avoir. Bon, ils sont... Normalement, ils me posent pas problème, Iga, mais... Rebrice, j'ai eu un instant de réflexion en mode attends, il faut que je réfléchisse un tout petit peu à comment je vais gérer ça.
début de tour. Attaquons tout de suite. Salut Riné, comment va? Ça les téléporte. Ça. Riné a évolué, c'est ça? Ouais, je sais, je sais. Ok, j'ai gagné cette fois-ci. Le château devrait être là où je continue Isugi et les mines commandantes sont capturées. Sauvons-les. Et elles devraient être récompensées. Et ils tomberont amoureuses de moi. Rancer ses troupes rentre d'ailleurs dans le château. Ah, maudit étranger! Gya! Quoi? Que des lâches. Rossama, je les ai trouvés par là! Oh! Oh, vous voilà! C'est toi? Oda? Furence, le vertueux héros, venu à la rescousse! Rance les détacha. Une dague fut placée sous sa gorge. Allez, pourquoi être comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Aïe! Silence, Kenshin! Étranger, qu'est-ce que tu souhaites? Pourquoi avoir sauvé le commandant ennemi? Je viens de le dire! Je suis un héros! Ah. Vous avez dû entendre les hurlements! Le clan Isugi est foutu! Je l'ai détruit! Le vilain Kensei est. Est en fuite! Je suis. On the Rock. En fuite ou pendu? J'ai un doute. Et mal barré. Voilà. J'en avais toutes les filles mignonnes, alors je suis là pour aider. Un problème avec ça? Elle remit la dague dans son fourreau. Vos actions sont appréciées. Tu peux compter sur moi. Bon, je vais aller battre Kensei. Qui veut venir? Mon oncle. Ah, donc c'est ta famille? Oui. Qu'importe, hein, aucune pitié de ma part. Après ce qu'il a fait, il va se voir à subir les conséquences. Je vais vous accompagner à la place de Kenshin-sama. Aïe. Sama, envoyez Kenshin-sama au clan Oda. Bon ben, je vais m'occuper d'elle avec bien soin. Hein. Non. Kenshin. Tu m'avais prévenu à propos de mon oncle, Aïe. Et je suis celle qui n'a rien fait. En tant que seigneur du Isugi, il faut que je corrige mes torts. Bien, ben alors allons-y. Oui. Kenshin, vraiment? Désolé, Aïe. Avec Rance à la tête, ils avancèrent. Sois maudit, étranger d'Oda, prépare-toi à mourir. Vous ne passerez pas. Attendez. C'est... Kenshin-sama! Les hommes laissèrent leur arme et s'agenouillèrent. Vous allez bien? Vous savez où est Kensei? Dans la tour principale. Merci. On y va? Oui. Kensei était en... était en train de tourner en rond dans la tour du château. Qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Quoi que tu fasses, tu vas finir en enfer. Ah, l'étranger! Recule, recule! Kenshin! Ping parfait, mais aide ton oncle. Souviens-toi, tu es ma nièce. Oncle, vous avez commis un grave péché. Vous allez payer-le avec votre mort. Kenshin, tu tuerais ton propre oncle? Si tu ne peux pas le faire, je le ferai. Quand Kenshin allait avancer, il arrêta. Je vais le faire. Ah, au revoir, oncle. Ah! Kenshin hésita pendant un instant. T'es chiant. Yeah! Rance-toi tranquillement, Kensei. Quoi?
C'était mon oncle. Ouais, et un traître. Oui, mais il était sympa. Il me donnait des bonbons et des onigiri. Il savait comment se mettre dans tes bonnes grâces, oncle. Je prie que vous puissiez payer dans votre prochaine vie. Kensei mit ses mains ensemble sur au-dessus du coffre cadavre de Kensei. Ouais, Kensei, ouais, bah. Ah, après tout ce qu'il t'a fait, t'es trop généreuse. Ah, désolé, je vous ai fait... je vous ai forcé à combattre pour moi. Je l'aimais pas, donc je l'ai tué, c'est tout. Alors, t'es tombé amoureuse de moi, hein? C'est ridicule. Attendez. Oh, ils disent que l'amour est aveugle. Ivy Kensinsu rougir et soupira. Ainsi, le territoire de Yoyesugi devient celui de Rance. Maître Rance, j'ai trouvé les commandantes emprisonnées. Elles ont été libérées? Non, nous les avons réunies dans le grand hall. Très bien, allons-y. 30 femmes commandantes étaient dans le grand hall. Il y en avait qui avaient... Elles venaient juste d'être sauvées et étaient terriblement fatiguées. Certaines d'entre elles étaient à moitié nues, avec rien d'autre qu'une couverture pour les couvrir. Oh, 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 oh. C'est nul. Pourquoi est-ce qu'il a dû nous sauver? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont sauvé? C'est ce que je veux dire à propos de toi. Et ils nous ont sauvés en même temps. Oh, silence! Si seulement tu te serais fait violer et tuer par Kensei. Non, toi! Silence, vous deux. Désolé. Regarde, il est encore en colère à cause de nos salopes. Silence, moche. Qu'est-ce que t'as dit? Vos gueules! Je suis l'heureux Riroki Asewel Clan Yasugi. Remerciez-moi. Pleurez des larmes d'appréciation pendant au moins une heure. Bon! Voyons voir. Je me demande ce qu'il va faire. J'aime pas comment il me regarde. Qu'importe. Ah, vous pouvez y aller. Rance, laissa partir les filles qu'il avait choisies. Ça laisse 13. Un peu trop. Ah, je déteste faire ça, mais toi aussi. Et toi? Qu'est-ce que c'est? On va avoir une récompense, peut-être. 8 resta dans le grand hall. Là, bien. C'est quoi? Techniquement, les Silent Hill? René? Les Fatal Frame. Pas le dernier Fatal Frame. Le dernier, on l'avait testé, il était pas génial. Mais les premiers sont très bons. Bah oui, ça y est, Silent Hill 2. C'est. Ouais, un peu long. Sinon, pas spécialement, non. Les vieux Resident Evil, hein. Pas les remakes, hein, mais je crois qu'il y en a. Il y en a quelques vieux, mais ils sont pas... Il y en a qui sont exclus console, de mémoire. Je suis en train de réfléchir. Il y a des jeux d'horreur sur DS? Oui, c'est le même nom. Project Zero et Fatal Frame. C'est la même série. C'est juste qu'on en avait fait un... C'était le jeu de l'ennui, hein, avec Brice. C'est le jeu où il a raconté tout le lore de Phantasy Star. Enfin, tout le lore. Une grande partie du lore. Et bon bah ça vaut... voilà, je crois que c'était l'avant-dernier qu'on a fait. Il valait ce qu'il valait, hein, il était chiant. Mais je veux pas dire qu'il était mauvais parce que c'est faux, mais il était chiant. Parce qu'en vrai, je pense que les anciens, de ce qu'on m'a dit, les anciens sont bien meilleurs, donc j'y crois parce que le système est bon. Bref. Continuons à lire, de toute façon, il va falloir que je skip la scène. Hein. Là, c'est bon. Je vous ai sauvé, donc je m'attends à une récompense. Une récompense? Ce monde, c'est prend et donne. Je suis sûr que vous comprenez. Une fois par fille, puis je vous relâche. Hein? Quoi? Toutes les filles se regardaient en confuses. Vous comprenez pas. Je vous dis que vous allez tous coucher avec moi. Hein? Quoi? En tant que gagné, on pourrait vous violer, hein, pas de problème. Mais j'aime quand c'est consensuel. Je ne fais qu'accepter mon récompense.
C'est ça, ouais. Oh non, c'est fou. Hmm. Ah. Eh, hey, mais t'es une des deux filles brillantes. Ah ah. Toi mon premier. Alors, oui. Continue, Shigi. Oui. Oui, carrément. Et peut-être, parce que là, je suis à 89, finir la satisfaction, ça serait sympa. Je suis à 45 sur 60. Donc vas-y, continue Ishigi, engagé. Rance et Suzume faisaient une promenade. Un jour, dans le château, il y avait un pervers. Qui, moi ? Miaou ! Oh, Kenshin ! Après que le camp Ishigi soit détruit, je l'ai laissé là en tant que commandant de secours, mais peut-être que c'est le moment de s'amuser avec elle. Oh. Quoi ? Kenshin Sugi est genre la personne la plus forte du Nippon. Tu veux vraiment essayer de coucher avec cette femme ? C'est comme si si t'essayais de coucher avec tout le monde. T'es le baron du sexe numéro 1 du continent. C'est quoi ce genre de titre? Je couche quand je baisse quand j'ai envie de baiser. Je baisse qui j'ai envie de baiser? C'est tout ce qu'il y a. Je sais pas si ça va bien se passer. Hein? C'est la déesse de la guerre. En gros, cette fille est vraiment sérieuse. Tu peux pas y aller être en mode « Eh bébé, couchons ensemble » ou quoi que ce soit. Elle va te dire... Meurs et va à Bicia Montaigne. Ou quelque chose comme ça et te couper en morceaux. C'est dangereux en effet. Mais je la veux. En plus, je l'ai sauvée avant. Il y a une petite chance. Enfin, je crois. Il doit y en avoir. Enfin, quoi qu'il en soit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ah, si tu veux, bon, bah, dans le cas où quelque chose arrive, je ramasserai tes os pour toi. Assume pas que je vais mourir, idiote. C'est vrai qu'il y a un remake d'Alan Wake. Je vois toujours pas l'intérêt de l'avoir remake, ce jeu. Bon, bref. Si, mais Rance ne le sait pas encore. Rance approcha de Kenshin. Oh. Quand Kenshin vit Rance, elle lui fit une mignonne petite salutation. Hé, hey, Kenshin. Bonjour. Tu es intéressé de rejoindre officiellement mon armée maintenant? Eh bien... Vous m'accepterez? Moi, oui. Alors, avec plaisir. Waouh, c'était facile. Je voulais parler d'autre chose. Moi aussi. Maintenant que nous ne sommes plus ennemis, je pense que c'est correct pour moi de vous le dire. J'ai des sentiments pour vous, Rance Dono. Hein? Depuis que je suis tombé sur vous durant le combat, je n'arrive pas à vous retirer de mon esprit. Mon cœur bat la chamade et je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Quoi? Comment est-ce possible? Et pourquoi vous nous espionnez, vous? Cela vous dérange? Désolé, hein? Je voulais vous le dire depuis longtemps, c'est tout. Que vouliez-vous me dire? Je te le dirai une autre fois. Je vois. Je vais y aller alors. D'accord. Rance restait pétrifié par la soudaine confession d'amour de la part de Kenshin. Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bah ça c'était quelque chose. La déesse de la guerre est complètement amoureuse de toi. Kenshin, t'es amoureuse de moi? L'amour à premier au premier regard. Je l'ai fait, ouais. Non, attends, c'est un piège. Ça se passe trop bien. Hein? Suzume, qu'est-ce que t'en penses? France. Hein? T'as du mal à accepter les expressions directes d'amour, hein? On pointe dramatiquement. Bah tu sais. C'est comme si t'avais pas l'habitude que les filles t'aiment. Là, t'es un peu nul. Silence! Oui, et j'ai un... Et... Attends. Attends deux secondes, Riné. Alors, là, c'est des lapins. Là, c'est un fonctionnaire. Alors, si jamais, hein, tu vois que leur territoire a disparu, au deux là, enfin au trois, c'est normal dans le scénario, ils sont toujours en vie,
le groupe là. C'est juste que le Swan a vu, enfin ils sont fait, Kenshin m'a attaqué, ce qui fait que eux ils étaient en position de puissance, donc ils ont pu envahir eux. Et Swan, donc leur chef, est allé voir le chef de Takeda, a compris un truc, et a fait ok, on accepte. On accepte de vous laisser prendre le contrôle. Mais ils sont en vie, ils vont bien. Voilà. Voilà, ils sont tranquilles. C'est assez rare. Et voilà, j'ai envoyé le truc sur Discord. Hop. Je vais remettre ça en place. Salut Afenzo, comment va? Et bah en vrai je suis à 89, donc let's go hein. Donc let's go. D'abord fais voir. Non, j'ai pas assez. Oh nickel. Nickel, nickel. Allez. On va voir nos amis les Mikos. Ok, de retour chez les Mikos. La la la, on grimpe la montagne pour les Mikos. La la la. Streamer patch, franchement, il est solide leur streamer patch. J'apprécie le fait qu'ils aient laissé les textes parce que bah, tu peux pas le retirer. Mais il est solide. J'ai pas à me plaindre. Koichi a pas eu d'orsup à faire. Ce qui. Au grand plaisir de Taos. Eh ben, cette longue route est vraiment le pire de tout ça. Hein. Comme d'habitude. Voilà. Non mais, c'est pas compliqué, Riné. Hein. Les boîtes, c'est pas des éditions collector, hein, c'est des éditions limitées. Genre, elles étaient à 80 balles pour un... J'étais en mode, vas-y, de toute façon, Ranz, j'ai aucune hésitation. Et c'est des grandes boîtes. Tu as deux fois le jeu, tu as le jeu en CD et en clé CD. Tu as toujours un porte-clé et tu as le manuel. Le manuel, c'est 80 pages. C'est 80 pages avec de l'artwork. Donc, voilà. Comme d'habitude, le temple était plein d'hommes ici pour coucher avec des Mikos. Ah, sur mon chemin, peut-être que je devrais tous les tuer. Tournez votre lame sur quiconque ici serait illégal. Oh, Naturi! Bonjour, vous aussi, étranger de Wari. Je suis de retour. Cet endroit était sympa, je souhaiterais pouvoir y venir tous les jours. Enfin, il faut que je tire à l'eau, c'est ça? Allez-y. Tôh! Ah, j'ai encore perdu! Dommage. Bon, laisse-moi coucher avec une Miko. Ah, j'aimerais bien que ce soit toi cette fois, Natori. Ah, je veux quelqu'un de canon et t'es vraiment ultra canon. Malheureusement, je ne me rends pas disponible. Est-ce que... Vierge? Non, je me suis... J'ai pris ma retraite du... De l'amour, c'est tout. Je deviens vieille, voyez-vous. Vieille? C'est taré, pas avec un corps comme ça. Hein. Allez, couche ensemble. Je peux vous laisser coucher avec Kuma à nouveau si vous insistez. C'est pas ce que je voulais. Par ici, s'il vous plaît. Bon, qu'importe, Kuma, ça va aussi. Parfait. Alors, voyons voir. Est-ce que quelqu'un m'attaque? Parce qu'il va falloir que je déclare la guerre à quelqu'un, hein, là. Mais j'ai peur que les Takeda m'attaquent.
On n'a jamais vu qui est Kuma. Kuma a été censuré. T'inquiète. Nous ne l'avons jamais vu. Ah, eux! Ah, eux, tu les as ratés! Eux, ils sont stylés! Oui, il y a une nouvelle région. Ah bah tiens, les gars. En gros, eux, c'était la région qui était là, pour expliquer rapidement, Riné. C'était une région de... En vrai, il faut que je vérifie si je peux switcher, là, si je peux retirer et remettre le patch à volonté. C'était une région de MacMody qui était... qui était géré par les Ojo, par ceux qui étaient là. Voilà. Et en fait, c'est la région où ils foutent tous les mecs maudits, les criminels et les Oni. Et du coup, c'est un groupe qui a décidé de se rebeller à là, qui a pris son indépendance. Donc c'est le mec principal, il est maudit, c'est-à-dire que c'est à la fois un mec et une femme. Il a un suivant, il a une il a Miné qui a un bras en moins et un mec immense qui lui aussi est maudit. Et ils ont réussi à prendre leur indépendance. Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est... Faut que je regarde le wiki d'Alice Soft. Parce qu'en vrai, Kuma, c'est pas un personnage important. Fais voir. Ouais, c'est vraiment pas un personnage important. Mais voir l'union des Miko. Ara, Ashikaga. Miko Institute. Natori, Miko. Non, tu vois, le personnage, il est tellement OZEF qu'il y est même pas sur le wiki. C'est genre, il apparaît deux fois dans le jeu et c'est que sur des scènes H. Ils ont été tués? Oui. Tous les espions que nous avons envoyés observer Nobunaga Oda dans le temple Onodi. Chacun d'entre eux était un expert, mais leur cadavre était complètement mutilé. Quiconque les a tués a fait en sorte que ce soit lent et douloureux. Ont-ils été torturés? Non, ce n'étaient pas des blessures de torture. Ils ont été tourmentés d'abord. Puis, quand la personne qui les avait capturés s'est commencé à s'ennuyer, ils ont tous été tués. C'est comme un chat qui attrape une proie et n'a pas envie de l'en manger, donc joue avec. Terrible. Oui. Les laisser pourrait être dangereux. Oui. Très bien, Iga va attaquer Oda. N'importe quel état dont le seigneur utilise de telles sauvageries est une menace. Nous allons écraser Owari. Oui, monsieur. Parfait! J'avais dit qu'il fallait que je les attaque en suivant. En fait, le problème de ces deux territoires là, c'est que si j'en attaque un, l'autre se fait écraser par Mori. Oshu. Ah, les Yokai. Entre les nombreuses montagnes de ce territoire, les humains vivaient en ermite. La force principale ici n'était pas humaine. C'était les Yokai, dirigés par le roi Yokai actuel, Masamune Dokugandryu. Oda, hein. Ils ne sont plus dirigés par le fils de l'homme que je connaissais, mais par un étranger, je crois. Si leur ancien dirigeant d'Oda voyait Oda dans cet état actuel, je me demande ce qu'il penserait. Mais ce n'est pas à moi d'interférer. Je jure ne pas commencer de guerre inutile avec les humains. Vous voilà. Omachi. Lequel? Ah, Nobunaga? Non. Qu'est-ce que vous regardez? Rien. Dites-moi, pourquoi? Je veux savoir tout ce que vous pensez et tout ce que vous voyez de Tenmaru, c'est tout. Vous savez que les forces d'Oda sont près d'Oshu maintenant. Ah, Oda, ça rappelle des souvenirs. Vous vous en souvenez? Naturellement. C'était il y a 8 ans. Oui, c'est la guerre où je t'ai rencontré. Quand la société humaine est amenée à la rue, sera amenée en ruine, combat avec moi. Si les massacres continuent dans le monde entier, combat avec moi. Si les Hokai sont chassés et exterminés, je combattrai. Si les Hokai tuent des masses d'humains, je combattrai. Vous vous souvenez? Oui.
Mathis se rapprocha de Masamune. J'ai fait des choses horribles. Ne te blâme pas, c'était le destin. Elle le serra dans ses bras. Tu es si gentil, Boten Maru. Masamune mit silencieusement sa main sur Machi. Pas juste. Moi aussi, je veux faire un câlin. Suivant après Machi, Noir se crocha à Masamune. Qu'est-ce que vous faites, vous tous? Rien, va-t'en. C'est pas juste, Noir, et je suis déjà à la maison. Où est-ce que tu veux que j'aille? Je m'en fous. Nogiku s'accrocha à Noir. Va-t'en. Elle prit Noir encore plus fort dans les bras. Je sais comment t'es, Noir. Chaque fois que t'agis comme ça, ça veut dire que tu veux un câlin. Non, stupide. Ah, t'es nul. Youhou. Pomf. Orime sauta sur les quatre personnes. Stupide. Qu'est-ce que vous faites? Tu peux venir? Tu l'as déjà fait, espèce d'idiote. Orime, t'es trop lourde. Orime pesait plus lourd que tout le monde. Wow. C'était mignon, ça, Masasan. Eh, va-t'en, espèce d'idiote. T'es mignonne aussi, Noir. Ah non, mais le roi yokai, il vit sa vie. Le roi yokai, il a bon goût. Un ninja rentra dans ce qui était autrefois la chambre de Kenshin. Il s'agenouilla et ouvrit un placard. À l'intérieur, il y avait une boîte en bois. Le ninja regarda l'intérieur. Elle contenait une gourde. Une gourde velue. Le ninja mit la gourde dans sa poche et disparut sans un bruit. La gourde du clan Uesugi est à nous. Ça fait 4. Nogendaga brisa la gourde velue. Puis il inhala joyeusement le gaz à l'intérieur. Ça fait 4. On y est à la moitié. J'ai bien récupéré de la puissance ça, par rapport à avant. Bientôt, nous pourrons partir. Il faut aussi considérer qu'il en reste encore 4. Et si l'étranger... Et si nous laissons l'étranger continuer un petit peu plus longtemps? Si vous faites des actions, les Tenshiistes vont nous trouver. En fait, ils sont déjà en train de bouger. Maintenant que vous avez ressuscité après 500 ans, je pense qu'ils vont utiliser tout ce qu'ils ont pour vous sceller à nouveau. Je vois. Ah, c'est maudit. Je ne les sous-estimerai pas à nouveau. Peut-être que je devrais laisser Rance nous aider à trouver une gourde ou deux encore. Je dois dire, cet étranger est fort. Sa puissance est presque inhumaine. Oui. Sa force me rappelle des souvenirs d'Ishimimaru. S'il continue à m'aider, je vais peut-être lui offrir l'honneur de devenir mon plus loyal apôtre. Rance 3, alors en fait ce qui est drôle, je suis en train de me dire, beaucoup de monde conseille Rance 7 pour commencer l'univers de Rance. Et c'est vrai, parce qu'il n'y a pas tant de personnages qui reviennent des vieux jeux. Par contre en termes de lore, il y a beaucoup de trucs qui passent par-dessus la tête quand on connaît pas le lore de Rance 3 et de Rance 6. Rance 3 est celui qui a posé tout le lore de la série. Alors, le bonus de satisfaction de Rance, avant toute chose. Maître Rance, j'ai ramené plus de Wemetu et Mandiou. Cool. Je vois que vous êtes de bonne humeur. Je suis satisfait. Allez, essayons un peu plus fort. Ah. Alors, Mitsuhide Akechi, Bully. Mitsuhide Akechi, c'est lui. Ah, parce que... C'est parce que Suzume... C'est parce que l'autre, elle est pas encore arrivée. C'est un problème. Parce que j'aimerais... Dès que l'autre elle arrive, moi j'en profite, je suis en mode, hop, je renvoie une demande. Et j'attends le niveau 100. Donc je vais laisser ça pour l'instant. Je vais attendre que... Elle est supposée arriver vite pourtant, quand on fait ce genre d'invocation. Je vais vérifier. Parce que ça me... En gros, j'ai demandé une aide à Lysias.
Et logiquement, elle devrait arriver assez vite. Je vérifie juste un truc en mode... Ouais, ben, c'est pour ça, je suis en... En fait... Pour donner une idée, j'ai demandé que... d'avoir de l'aide à Lysias. Et normalement, ils sont supposés m'envoyer une unité. Mais... Bah là, ils n'ont pas envoyé grand-chose. Alors, oui, elle, tout de suite. Ensuite, est-ce que j'ai des endroits qui sont encore à 9? 12, je pourrais, ce que je pourrais... Les talents m'intéressent pas, honnêtement. Un ou deux trésors, ça pourrait être intéressant, mais... Elle. Puis-je vous parler? Quoi? Tu veux qu'on fesser ton amour? Mettons les blagues inutiles à part. J'étais sérieux, hein? Enfin! De ce que j'ai entendu du, Kenshin-sama va se battre pour Oda maintenant. Mm-hmm. Elle a dit qu'elle allait le faire tout seul. Je le savais. Eh bien, je vais faire la même chose si ça vous va. Très bien, hein, toutes les filles mignonnes, moi ça me va. Cependant... Quoi? Laisse-moi te demander une chose. Est-ce que Kenshin... Est-ce qu'elle... M'aime? Oui, pour une raison ou une autre. Ah, donc c'est vrai. D'accord. Et vous m'aimez aussi... Tu m'aimes aussi, Aïe? Sourire extrêmement fin. Non, elle te déteste très fort, je crois. Ouais. Ouais. Ouais, elle me déteste très fort. Mais une des meilleures tacticiennes du jeu. Battle Tactique 2, Statue Cancel 2 et Money Management au moment où elle arrive. Donc ça c'est fait. Alors que je cherche un peu les donjons, que je récupère les objets. En fait, au bout d'un moment, tu es supposé aussi avoir un truc en mode accepter l'aide. Mais hop, save. Worker badge 7 et unité à 3. Ouais, Kindasan, hein. Worker badge item rance level up. Pas d'hésitation. Toi, je vais faire en sorte que tu me détestes pas. Un item maudit a réduit la moitié des troupes. L'équipe a une unité. Donne à la moitié des troupes une maladie fatale. Par contre, un mouvement de plus 2. Je vais peut-être pas récupérer ça, en fait. Utilisons notre tour pour récupérer un objet un peu plus intéressant. Ou trouver un donjon. Et voilà, il y a des objets un peu plus intéressants que ce genre de truc. Dégâts moins 50. L'utilisateur est devenu plus tolérant à la douleur. Conk. Voilà. Et attaquons les ninjas, hein. France, Kenshin, Sen, Kika. Ziroku. Toi, ton petit. Vous êtes Rance? Oui, mais qui es-tu? Je suis une grande fan. Oh oh!
J'y peux pas croire que je vois Rance de si près, je dois rêver. C'est la réalité, chérie, allez, approche. Vraiment? Bien évidemment, je suis sympa envers mes fans. Alors, si je puis... La fille s'approcha de... De Rance et se mit contre son bras. Oh, motivé? Oui, eh bien... Je vous aime depuis très longtemps. Oh... Ses yeux marrons et ses cheveux sont tellement canons. Oh! Quelque chose à propos de vous me fait sentir en sécurité. La fille se pencha encore plus vers Rance, pressant bien sa poitrine avec sur son bras tant qu'elle y était. Oh! Oh. Et le décolleté. Vous savez, juste faire ce genre de choses m'excite un peu. Ah, on peut pas ça. J'ai très chaud. Bien, allons dans les buissons afin que je m'occupe de ça. Merci. Rance attrapa l'épaule de la fille et se dirigea vers les buissons. Quoi? Sors pas de nulle part. Bonne nuit, Riné. Tu devrais savoir que c'est friand. Quoi? Quoi? T'es bizarre, qu'est-ce que tu veux? Tu sens comme moi. Hein? Comment ça? Essaye de le cacher, mais je peux le dire. T'es une Kunoichi. Pointe dramatique, de manière dramatique. Quoi? Qu'est-ce que... C'est une sacrée accusation! Eh bien, laisse-moi lécher ton sein gauche. Non! Ah, ton sein gauche me donne une odeur de poison très familière. Tu mens! T'es une Kunoichi! Pointe de manière dramatique. Pourquoi vous la croyez? Sumei est une Kunoichi incroyable, elle peut pas avoir tort. Je veux dire, je l'ai vue avant, Lady Ga. Bon bah, si vous l'avez découvert, alors oubliez. C'est vrai. Seigneur, substitut d'Oda, Rance, prépare-toi à mourir. La Kunoichi manqua de planter une dague dans la gorge de Rance. Suzume para avec son épée ninja. Elle fit s'évanouir la Kunoichi. Bye bye. Suzume lui ouvrit la gorge. Fini. Ah, c'était limite. Les femmes s'en font peur. Seulement parce que t'es beaucoup trop rapide pour t'exciter. Ils ont beaucoup de ninjas, mais après, le reste. Genre, lui a plus de move. Ouais, bon. Clairement pas un problème, hein, cette histoire. Bon. Fin du tour. L'ennemi contre-attaque à Yamato. J'ai de quoi faire. Par contre, j'ai vraiment pas assez d'unités à distance. J'ai vraiment, vraiment pas assez. Parce que là, je vais me faire cribler de kunai. De kunai, de shuriken. Pas la même chose.
Bon, lui, je vais l'ignorer, je vais être honnête. Aïe. Garde. Aïe. Normalement, ça, tu l'achèves. Même pas. Ils sont plus dangereux. Ils vont mourir, là, sur le combat. Voilà. Ils sont gérés. Je peux y aller tranquille. Aïe. Tanker l'attaque là qui arrive. Les attaques là qui arrivent. Voilà. Bon, on a bien tanké. Et de tuer, et bah. Quand ça commence à recruter des paysans, c'est que ça se passe mal. Sildono, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Silsan. Encore une année plus vieille. Joyeux anniversaire! Merci! J'espère que tu apprécieras. Toi, j'ai mis un étonnant gâteau à deux étages d'anniversaire en face de Syl. Waouh! Je n'ai jamais mangé ça de ma vie. Tout ce que je pouvais faire était de suivre le livre de cuisine et espérer que ça se passe bien. Je n'ai pas la moindre idée de comment ça s'est révélé. C'est suffisant, c'est un gâteau merveilleux. Je suis tellement heureuse, merci vous tous. Bon, on est supposé mettre des bougies en haut, il me semble. Oui. Tout ce qu'on a, c'est des bougies rituelles, si c'est acceptable. Qu'importe. Oui, j'apprécie de toute manière. Le nombre de bougies, c'est mon âge, c'est ça? Oui. Tu as quel âge? 35. Non, j'ai 20 ans. 20 bougies, alors. Jeune que Rance. Je me souviens plus. Il me semble qu'ils en parlent à un moment. Ils ont une différence d'un an, mais. Il n'y avait pas 17 au premier jeu et 6-18. Et ce serait pas logique vu qu'il me semble qu'il est plus vieux. Donc... Il a quel âge dans le 4? Dans le 9? Deux secondes, laissez-moi retrouver. 24 l'an 998. Ah, tu m'aides pas là. Ah mais ça n'aide pas ça. LP06 elle a 21 ans, ouais.
Tel Prince 06, elle a 21 ans. Ah, oui. Ok, non, c'est bon, j'ai. Ok, Rance, il a 2 ans de plus. D'accord, Rance, il a 2 ans de plus. 20 bougies, alors. 1, 2, 3... Eh bah. Bon, maintenant que t'as 20 ans, on va pouvoir coucher ensemble non-stop. On le fait déjà. À 20 ans, c'est là où on est prêt pour du sexe hardcore. C'est toujours hardcore. Qu'est-ce que veut dire hardcore dans ce contexte? Hé, hey, pas de langage. J'ai ici au retour de Kosama. Ça fait combien de temps qu'on s'est rencontrés déjà? Je sais plus, un moment, hein. Oui. J'espère qu'on pourra rester ensemble toujours. Même quand j'aurai 30 ou 40 ans, même quand je serai vieille. J'espère que vous serez toujours là à célébrer mes anniversaires. Particulièrement pas motivé. Quoi? Sérieusement, 30 ans, j'ai pas besoin de vieille. Oh. Et puis, toute cette fête, c'était l'idée de Kou, pas la mienne. Je vois. Mais je ne l'aurais pas su si... que c'était son anniversaire si vous n'étiez pas venu me le dire, Ransan. Il te l'a dit parce qu'il savait que t'allais faire une fête d'anniversaire. Ran, c'est juste trop timide pour le faire lui-même, c'est tout. Ah, je vois. Les garçons, c'est compliqué. Hé, qu'est-ce que vous chuchotez? Rien, rien du tout, vraiment. Oui. Ouais. Les bougies sont prêtes, Sildono. Je vais les allumer. Merci. 3G alluma les bougies. Il me semble qu'il faut faire un souhait quand on les souffle. Je crois que c'est ça devient vrai, c'est ça? Oui, c'est ce que les gens disent. Qu'est-ce que tu souhaites? Où est-ce que tu regardes? Rien, rien. Je sais ce que ça doit être. Je veux rester avec Maître Rance, donc... J'espère que Maître Rance et moi seront pas ensemble pour toujours. S'il souffla toutes les bougies en un souffle. Waouh, tu les as toutes lues. Qu'est-ce que t'as souhaité? C'est un secret. On peut manger le gâteau maintenant? D'accord. Attends, tu peux pas manger encore. Pourquoi? J'ai un cadeau à te donner. Hein? Voilà. Quand on se frappa les mains, une porte, la porte de l'autre salle s'ouvrit. Ah! De l'autre côté, il y avait un merveilleux kimono. Maître Rance? C'est mon cadeau. Vraiment? Mets-le! Les serviteurs attendaient derrière la porte et. Qui attendaient derrière la porte urgèrent Syl d'aller vers le kimono. Merci, Maître Rance! Mets-le vraiment! D'accord! Syl entra joyeusement dans l'autre salle et ferma la porte. Allez, prenons un morceau de gâteau. Allez voir quel goût il a. Crunch. Ah, délicieux! C'est bon, le gâteau est délicieux. Ah, la crème fond dans ma bouche. T'as vraiment fait ça à partir d'un livre? En effet, oui. Eh ben, t'es bon pour quelque chose, 3G! C'est pas sympa! Enfin, Rance Dono, souvenez-vous d'en garder pour Sildono. Qu'importe, ce qui est à elle est à moi. Soyez pas comme ça, le deuxième étage est pour Sil-san. La porte s'ouvrit. Oh! Ah! Eh ben! Oh! Ça te va bien? Vous avez l'air magnifique. Merci. Ouais. Ça te va bien. Comme ça doit l'être pour mon esclave. Merci. Et Syl fit un tour sur elle-même. Maître Rance, j'apprécie vraiment. Merci. Il reste du gâteau? Soyez sûr de lui en laisser. On s'assurait de t'en laisser. Merci. Je vais. Il faut que je n'en mette pas sur les vêtements. S'il approcha du siège à côté de Rance. Attention, attention. S'il s'asseya, mais... Rance tira sur la ficelle secrète du kimono de Syl. Ah. Oh. Et Rance s'amuse. Oh well, c'est Rance. Combien de temps ça va te prendre à arriver, Kanami? J'ai no luck ou... Pourtant, il y a assez de points. Ah, je peux déclarer la guerre au Miko. Ça m'a l'air d'être une très très mauvaise idée.
Mais ça pourrait être intéressant ensuite. Ouais, voilà, oui, oui, t'inquiète, c'est juste que c'est... j'avais jamais fait gaffe, en fait. Ouf, j'ai tendance à les laisser tranquilles du début à la fin. C'est vraiment, en fait, je crois que c'est le deuxième event où t'as Kuma, justement, qui est en mode « Ah, si tu veux coucher avec ma patronne, je pense qu'il vaut mieux la choper de force. » Et du coup, j'avais jamais fait gaffe que tu pouvais la récupérer. Mais oui, je m'occupe des ninjas, déjà. Mais avant ça, je suis en train de réfléchir un peu. On va faire l'event là. On va peut-être enfin faire ce maudit event là qui traîne. Ou peut-être chercher un donjon et faire le donjon. Mais bon, déjà. Kenshin. Ah. Hmm. Oh. Ah. Bonjour. Quand Kenshin vit le visage d'Orange, elle cacha ce qu'elle avait derrière son dos. Tu caches quelque chose? C'est juste un goûter. Sympa. Partage-en avec moi. Vous voulez voir ça? C'est bizarre. Non, je crois que c'est normal, du moins. Kenshin présenta une boîte à bento à 5 étages. Ça, c'est un goûter? Oui, un goûter. Tout le monde réagit comme ça. C'est beaucoup? Ouais, vraiment beaucoup. Et c'est pas assez pour toi? C'est qu'un goûter, donc j'essaye de supporter juste avec ça. Je vois. Je sais que je mange beaucoup, mais ce n'est pas bon. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je n'ai pas été invité dans votre domaine comme les autres filles, alors... Oh! J'ai des sentiments pour vous, Ransdono. Depuis que je vous ai attaqué dans le combat, je ne suis plus capable de vous... Vous ne quittez plus mon esprit. Mon cœur bat la chamade et je n'arrête pas de pleurer. Rance se souvint de la confession de Kenshin. Rance recula face à Kenshin. Ah, donc j'avais raison. Vous ne voulez pas d'une femme qui mange autant? Je n'ai aucun charme. Non, ça je m'en tape. Dans ce cas, puis-je aller dans votre domaine? Eh ben... Pourquoi tu m'aimes? Rance s'enfuit. Tom. Rance courait. Moi, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une fille aussi mignonne, parfaite et forte dit qu'elle m'aime? Rance était complètement... Flustered... confus. Ah oui, un truc que je voulais faire aussi. Non, sérieusement. Si je peux éviter d'avoir des personnages qui me détestent dans mon armée, je préfère. en tout bien, tout honneur, hein, mais... Par contre, on va plutôt chercher un donjon pour ce... Donjon ou un trésor? Il me semble qu'il y a il y a Murasame, là. 25, c'est cher, mais... 5, 7... 5, 4. 4. Je peux le choper. Parfait. C'est cher, mais... Je crois que ça vaut le coup. Item. Murasame, dégâts plus 20%. Pour les samouraïs uniquement. Okita, t'es en train de augmenter tes troupes. Ronmaru. Cadeau. Il va falloir que je la up un peu parce qu'elle est vraie, parce qu'elle a un très bon niveau. Et les ninjas, hein. Errance. Sen, je sais que t'aimes les combats. Kenshin. Hop. Et Iziroku. Et on garde un archer pour le tour d'après. Enfin, pour le moment où il nous attaquera. Ah, il y a Inukai dans le tas. Ça c'est un problème. Non vraiment, c'est un problème.
Est-ce qu'il utilise... Aïe, 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 aïe. Laissons un dogo. Heureusement que je l'ai bien affaibli. Parce que laissons un dogo, ils font mal. Et Iluka, il fait super mal. qu'on se le dise très clairement. Kenshin... Bichamontaine protège. Voilà. C'est des paysans, ça. Honnêtement, je m'inquiète pas trop. Là, ils vont mourir, techniquement, sur ce tour-là. Voilà. Ils sont plus doués que je le pensais. Sois maudit, étranger d'Oda. Prends-tu un problème, Inukai? Et tu ne veux pas la mettre, hein? Totalement adorable. Dis dans une... Husky... Dans une voix rock de vieil homme. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi, Inukai? Sortez de là. 68, 33, 16, 14, dit avec une voix de vieil homme rock. 55. Ensemble, nous formons les Ninja Rangers. En crise, les mystérieuses escouades de ninja viennent à la secousse, à la rescousse. C'est pitoyable l'état de notre seigneur actuel. Il faut l'aider pour. Tu as beaucoup d'aide qui approche. Nous pouvons le faire. Nous allons combattre pour vous. Je sais que c'est vous, les anciens. Mais nos déguisements sont parfaits. C'est clairement de sa faute. Me blâmez pas. Ah bon sang. Toutes ces bêtises, c'est pour ça que notre plus grande Kunoichi a décidé de s'est avéré être ce qu'elle est. Comment ça? Suzume est une fille parfaitement sympa. Ses compétences d'assassinat sont grâce à mes... C'est grâce à mon enseignement. Ses compétences de séduction sont grâce au moi. C'est une très bonne Kunoichi. Enfin, on va vous aider avec la guerre. Ne blâmez pas si vous crevez. Squeak, squeak. Non. Par contre, si je capture eux, on va avoir l'event. Si je me plante pas. Surprenamment puissant comme glandu, donc. Ils vont être chiants. Ils vont être... Aïe. Aïe. Le 10%. Bon.
Voilà, les vieux ils peuvent plus jouer, on est tranquille. Ce Chamisen qui vit sa vie. Maro qui me fait confiance pour des raisons qui me sont abstraites tout de même. Tu m'attaques pas Takeda, hein, t'es sympa. Ah, est-ce que... Sérieux. Ah, enfin! Hier, la grande nation du continent de Lysias avait envoyé des renforts vers le clan Oda. C'était une unité de ninja dirigée par Kanami Kento. Hein, quoi, toi? J'espérais quelqu'un genre Leila, tu sais, quelqu'un de fort. Hein, si t'aimes pas ça, je peux rentrer. Oh, je prends ce que j'ai, hein, reste. Tiens, j'ai une lettre de Mrendlia. Chérie, enfin darling. En plus, je crois qu'elle utilise Darling en Jap. Darling, cher Darling. Ouais. J'ai entendu dire que tu étais important au Nippon maintenant. Waouh, je tombe à nouveau amoureuse de toi. Donc, j'aurais aimé pouvoir te voir moi-même, mais je ne peux pas. Donc j'envoie Kanami à la place. J'ai mis le ticket habituel de service. Le ticket de service? Rance sortit fouiller à l'enveloppe. Il n'est pas là. Et Kanami, il n'est pas là. Quoi donc? Tu sais, le ticket, le truc qui me laisse coucher avec toi. Comment je devrais savoir? Bizarre, la lettre a dit qu'il devait y en avoir un. Tu n'aurais pas ouvert vers la lettre de ton maître, non? Comme si j'allais faire ça. On peut pas fouiller les lettres de la reine. Oh, vraiment? Bah, qu'importe. Bon, bon travail d'avoir fait le voyage, hein. Laisse-moi te donner une récompense. Prince prit la main de Kanami. Et qu'est-ce que tu penses faire? Pourquoi est-ce que tu continues à te battre? T'apprends jamais. Ah, tu commences toujours à te plaindre, mais on a couché déjà un million de fois au final. Mais on a couché un million de fois au final, hein. C'est ton destin, Kanami. Fais face à la réalité. C'est le destin de personne. Kanami repoussa la main de Rance. Enfin, je suis là selon les ordres de Rendlia. Hein. M'envoie pas dans d'autres combats tarés. Je pensais pas que Lysias allait vraiment nous envoyer des troupes. Rance Dono, je croyais que vous bluffez. Je ne fais que dire la vérité. Menteur, même ça c'est un mensonge. Yes. Une autre ninja. Nécessaire. 816. 40. Ah, il me déteste sacrément. Qu'est-ce que Rance lui avait fait à la fin de Rance 6? Ouais, ouais, non, c'est normal, ouais. Ouais, non, tout va bien. tout va bien, c'est normal. On est bon. Tranquille. Voilà, donc, hop. C'est une bonne journée. Demander du renfort de nouveau à Lysias. ...55/60. T'as coûté cher. Ah non, c'est juste que je commence à vraiment manquer de puissance. Tiens, j'ai vu qu'il y a un truc, c'est demander à Suzume par rapport à l'armée ninja de Diga. Ça sert à quoi? J'ai un doute.
Parce que je... Ouais, ouais, mais en fait, je... pour expliquer rapidement, je me souviens d'un truc par rapport à Iga. Et je suis allé vérifier, là, du coup. C'est que... c'est bien ce que je me disais. Il faut qu'il y ait Suzume pour envahir le truc. Donc, faisons la save là, puis je vais regarder. Parce que j'aurais aimé faire l'event d'Ai Nawe. Mais je vais d'abord demander ici, puis faire attaque. Est-ce que j'ai Suzume de prête? Oui, je crois que ça devrait bien se passer. Voyons voir. T'es dit, Iga, Suzume, non? Donne-moi des infos. Oui, oui. Iga est un territoire classique, dirigé par des samouraïs encore récemment, quand Inukai-sama a fait la rébellion. Bien, qui c'est? Le seigneur d'Iga. Donc la rébellion a réussi et Iga est devenu un état ninja. Inukai, un mec ou une fille? Un mec. Très cool, calme et posé. Inukai-sama est aussi un dirigeant de chien. Un dirigeant de chiot. Ouais, il se spécialise dans des ninjutsu qui utilisent des dogos. En fait, il adore les chiens. Ah. Il le montrera, mais... Il aime pas le montrer, mais en fait... Il les aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'il les préfère aux gens. Ouais, ils sont tarés. Hein, des chiens. Et les chiens sont aussi des ninjas? Ah oui, c'est des chiens ninjas. Ils sont différents des chiens normaux? Il y a un mec qui fait des chiens ninjas près du village Oga qui les entraîne. Je crois que Kankan, la dame maid Egeki, étaient des chiens abandonnés que Inukai-sama a élevés de lui-même. Sinon, la plupart des chiens ninjas viennent de Selver. Maintenant que la guerre a fini, ils doivent en vendre des tannes. Ah, d'accord, ça permet de faire ça. Ok. Alors, je vais. On va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il y a moyen de le gérer sans utiliser de sales strat ou. Parce que. Il me semble qu'il est violent cet animal. Ah oui, t'as dit gars, hein, ça te dérange pas de battre ses anciens alliés? Oh, l'ami d'hier et l'ennemi d'aujourd'hui, pas de problème. C'est sans cœur. Hein, c'est un monde difficile pour les ninjas, tu ne penses pas? Nin, nin, nin. Et puis il y a des règles strictes à propos d'être déserteur, alors je suis en danger de t'être assassiné. Sérieux? Ah oui, comme ça. Un shuriken ne volait de nulle part, mais Suzume l'attrapa entre ses doigts. Waouh! Nin! Suzume le renvoya. Il toucha une large branche dans un arbre proche. Gya! Le ninja prit le shuriken dans la gorge et tomba de la branche. Oh! Tu vois? Du danger. Ah, le monde des ninjas est effrayant. Nin! Ok, il est affaibli. J'ai pas besoin de faire l'event. Vu l'état où il est, j'ai pas besoin de me taper l'event. Il caste ça direct. Ok. Par contre, faut les achever après. Cache le son à Dogo. Statue cancel, nickel.
là, il n'y a plus qu'à les cueillir. Hein. Battle Tactics 2. Oh bon sang, ils sont tant que ces engeances. Le château de Yamato était entouré de feu. Des feux, du feu de la guerre. Ah, Inukai, t'es où? Pas là non plus. Miaou. Qu'est-ce qu'il y a, Suzume? Ton. Suzume lance un shuriken à un mur derrière France. Donc tu es là, Suzume. Wow, le mur parle! Le voilà. Le roi ninja Inukai arrive. Tu n'es vraiment pas arrivé. Tu n'arrives pas si tu te caches en premier lieu. Un ninja se cache toujours. Oh. Suzume, tu sais ce qui arrive au trait. Ouais, mais aussi non. En fait, je préfère pas, j'ai pas envie de mourir. S'entraîner, c'était marrant grâce aux vieux, mais une fois que j'étais commencé à aller en mission, c'était super chiant. Je préfère Oda. Oda, un seigneur bien plus incroyable après tout. Moi. C'est quoi ce silence? Suzume. La mort ne viendra pas juste à toi. Ah, fuis, Rance. Quoi? Ce type, c'est rien que je peux pas gérer. Hein. Suzume, danse. Un grand tremblement, frisson traversa le corps de Suzume. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Suzume? Tue-le. Suzume dégaina son épée ninja. Il frappa de son épée ninja là où le coup de Rance se trouvait. Doigt. Rance esquiva d'un jeu. Suzume, espèce de taré, qu'est-ce que tu fous? Je peux pas me contrôler. Hey, fuis. Pourquoi est-ce que tu écoutes ce que dit Inukai? Parce qu'elle est hypnotisée pour le faire. Hypnotisée? Oui. Les ninja ninja sont inoptisés afin qu'ils ne puissent pas s'opposer à leur seigneur. Quand leur seigneur dit le mot clé, ils sont forcés d'obéir. Quoi? Esquive! Quoi? Pathétique étranger. Suzume fit une série d'attaques meurtrières que Rance esquivait frénétiquement. C'est ça. Danse jusqu'à mourir, Rance. Danse jusqu'à ce que tu tues Rance, Suzume. Voilà. Non, mais j'aime Rance. Tu es tellement populaire. Hop, hop, hop. Finalement, une des attaques de Suzume touche le bras de Rance. Ah, désolé, Rance. Gars. De la fumée sortie de la tête de Rance. Mouah. À main nue, il chargea directement Inukai. Suzume le suivait. Intéressant. Tu vas me laisser te tuer? Viens. Ah! Rance sauta. Puis il tomba et glissa sur le tatami. Que? Touchdown! Rance frappa la chambre d'Inukai avec un sale tacle. Que? Tout. Incapable d'esquiver l'attaque inattendue, Inukai tomba vers l'avant. Que? Au-dessus de lui, Suzume sautait en brandissant sa lame. Ah! Comme s'il avait vu ce qui allait arriver, Rance s'éloigna de la jambe d'Inukai. À l'endroit où Rance se trouvait, l'épée de Suzume venait de se planter dans la jambe d'Inukai. Désolé, Inukai-sama! Toi! Pour suivre les ordres d'Inukai et attaquer Rance, elle avait besoin d'une arme. Forcée d'agir sous l'hypnose, Suzume retira violemment la lame de la jambe contre sa volonté. Le visage d'Inukai se tordit de douleur quand... Danse, qui avait dégainé Chaos au bout d'un moment, sauta avec son épée et la levait au-dessus de sa tête. Prends ça, rends sa tête attaque. Le puissant attaque de Rance devint Inukai.
Suzume, arrête. Inuka est mort, arrête. J'ai déjà arrêté. Oh. Eh ben, ça va maintenant. Oui, oui. J'étais hypnotisé pour obéir aux ordres de du seigneur actuel, mais maintenant qu'il est mort, ça va. Là, j'ai combattu pour ma vie, t'es forte. Désolé, j'ai oublié à propos de l'espinose. Je te punirai plus tard. Avec beaucoup de sexe. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est les ninja chiens d'Inukai-sama. Leur gérant et leur propriétaire est mort, donc ils sont tristes. Oh. Les chiens prirent le cadavre d'Inukai-sama Nukai dans leur bouche et le tirèrent. Qu'est-ce qu'ils font? Prince, couvre-toi. L'instant où les chiens sont allés dehors, boum. Wow. Les chiens s'autodétruirent avec le corps de leur maître. Que? Ils sont loyaux. Le chemin du ninja est un chemin terrifiant. Il y a une école de Kunoichi ici? Oui, oui. J'y suis allé aussi. Oh. Et j'espère que tu crois que j'étais la meilleure de ma classe. Ouais, ouais, tant mieux pour toi. Donc, pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Si c'est des Kunoichi, ça veut dire qu'il y a plein de filles comme toi là-bas, non? T'es intéressé dans l'école et tout? Non. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les Kunoichi. On s'en tape de l'école. Ah. Donc, période sexy, quoi. Exactement. C'est par là. Oh, oh. Il y a quelqu'un? Ouais, le vieux principal, tu travailles toujours ici? Ah, Suzume, ça faisait longtemps. Qui est-ce? Rance, le dirigeant secret d'Oda. Agenouille-toi devant moi, paysan. Qu'est-ce qu'il a? Oh, c'est comme ça qu'il est. Ah, je vois. Eh bien, bienvenue dans l'école de Kunoichi Diga. Il y a beaucoup de Kunoichi ici. Des Kunoichi en entraînement, pour être précis. Et t'as été ici, Suzume. J'étais tellement doué que j'ai sauté quelques classes et j'ai appris vite. Et donc, j'ai appris surtout avec les vieux. Quels vieux? Ils sont à la retraite maintenant, mais il y avait un groupe de 5 ninjas incroyables. Et quelles classes sont t'étudies ici? Ah, le genre de truc sexy que t'aimes. Oh oh. Par contre, rentrer dans cette école, il y a quelques demandes. Hein. Il faut être belle. Mais toutes les belles femmes ne peuvent pas être Kunoichi, donc... quand on a besoin de plus d'étudiants, on en kidnappe quelques-uns. Des filles sont kidnappées et mises à cette école? Oui, oui. On manque toujours de Kunoichi. C'est assez horrible. Dit-il. Tu penses? Je pense que c'est normal. Vous avez aucune idée de ce qui est normal alors. Bon, la première chose qu'on fait quand on est ici, c'est utiliser des aphrodisiaques et prendre. Ce qu'on fait quand t'es mis ici, c'est d'utiliser des aphrodisiaques et prendre de la virginité. Puis après, vu que t'as plus de réserve envers le sexe, ils t'apprennent des techniques. Tu apprends aussi à tolérer le poison et ce genre de trucs. On était justement au milieu d'une classe d'entraînement. Entraîner quoi? Les parties génitales des femmes. Ah! Quelle classe merveilleuse! Vous aimeriez observer? Je vais utiliser mon propre corps pour voir comment leur éducation se déroule. Si tu veux, mais si vous voulez, mais... Est-ce que laisser faire ça est une bonne idée? Ouais! Je vois, bien, allez-y. Quelle personne, voilà. Fou, satisfaction max. C'est une sacrée école. Hein, j'ai une idée. Si je venais de temps en temps, ils peuvent s'entraîner sur moi. Ça va, mais ça risque de te coûter la vie. Hein? Ça, c'était juste la classe de renforcement, donc pas de problème. Mais il y a une classe sur le fait de couper une bite avec sa... avec ses parties génitales, tu vois. Bon. Aussi, une classe où on met des capsules de poison dans ses... En soi, on couche avec quelqu'un et on la brise quand c'est dedans et des trucs comme ça. Mais ça va me tuer! Les Kunoichi utilisent ça comme manière d'assassinat, donc évidemment que l'entraînement tue les sujets des fois. Ah ouais, j'avais oublié. Je te conseillerais de savourer les souvenirs que t'as eu aujourd'hui et d'abandonner sur le reste. Dommage, mais... Ok. C'est-à-dire, Brice? Gah!
Maître Rance, j'ai amené plus de Meiju et de Manju. Bien. Bonne journée. Rance plus un move. On peut bully lui. Rance plus un move. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Eh ben, bon courage. Je suis à 55 sur 63. Je peux créer une zone de ninja. Ça améliore tous mes ninjas. Donc je crois que je gagne des... J'en ai que deux des squads de ninja, franchement. Bon, ça pourrait être intéressant, mais... Comparé aux Ashigaru, c'est pas génial. Hot Spring Time, intéressant. 9, ça veut dire qu'ils vont facilement être améliorables. Anyone Yorai, Soyei. Un donjon. Et puis... On va attaquer les ninjas, hein. Enfin, on va attaquer les Miko, tant qu'on y est. Non, parce que Takeda, j'ai pas envie dans l'immédiat. Enfin, on verra ce qui se passe. J'y réfléchis en fait aux deux à gauche. Parce qu'en gros, pour te donner une idée, j'aimerais choper le territoire du mec avec les fusils. Et les Akashi aussi, hein, mais parce qu'ils ont. En plus, ils ont des unités sympas. Et leur histoire est cool. Sauf que, en fait, je pense qu'on doit faire un tour de test par rapport à eux. En gros, quand tu en attaques un des deux, l'autre se fait attaquer par Mori. Et one shot. Donc, je suis en mode, est-ce qu'il faut que je déclare la guerre aux deux d'un coup? Est-ce qu'il faut que je... Si je veux choper les deux, faut que je fasse la guerre avec les deux? Parce qu'il y a soit les Akashi, soit les Tanegashima. Et honnêtement, si je dois choisir entre les deux, je préfère Tanegashima. Vu que les fusils. Et les Akashi, ils ont aussi une unité qui est très puissante. Hein. C'est pour ça que je suis en mode... L'histoire des Akashi est plus intéressante. Mais voilà. Donc parce que je me souviens. En fait, j'ai tellement l'habitude qu'ils se fassent attaquer, eux. Que... dans tous les cas, je crois que Ria, on va se faire... on va se prendre le scénario dans la gueule. Voici la dourne de donner à Iga. Permettez-moi de vérifier. Le moine prit la boîte en bois. Ouvrez la... l'ouvra et examina son contenu. En effet, nous allons le garder pendant un temps. Merci. Au revoir. Attendez un instant. Qu'a-t-il? Vous êtes moine? Oui. Alors pourquoi se conseille votre présence ainsi? Je suis peut-être avec Oda maintenant, mais je viens d'Iga. Cette manière de conseiller votre... de cacher votre présence est quelque chose que je connais bien. Vous êtes un ninja. Tchit. Le moine lança un mur de fumée au sol. Un ninja, nous sommes attaqués! Après lui! Le ninja avait disparu avec la gourde. Comme toujours, Nobunaga écrasa la gourde et inhala le gaz noir à l'intérieur. 5, encore 3. Comment vous sentez-vous? Pas parfait, mais.
Je dirais que c'est assez pour essayer mon pouvoir. Alors c'est l'opportunité parfaite. Rengoku regarda les membres de l'escouade Miskasa qui avait amené un moine. Le moine regardait la gourde velue se briser sur le sol et... Eh bien, ok. Monseigneur, une gourde. Quand j'ai entendu que vous avez... qu'elles étaient amenées là, j'avais mes doutes, mais... Nobunaganono. Non, vous êtes Xavier, vilain. Vous essayez de revivre, n'est-ce pas? En effet, et... Ha! Le moine réunit sa puissance combative et défie ses liens. Je suis Kairin, un grand moine tenchiste. Je me suis laissé capturer pour vous espionner. Prends mon pouvoir divin. Retourne dans ton seau, esprit démoniaque. Ah! Kairin relâcha d'un ki meurtrier à Nobunaga et à Xavier en intérieur de lui. Nobunaga ne fit rien de plus qu'un sourire doucement. Que? Est-ce là tout le pouvoir qu'un grand moine peut faire? Que? Ah! Kairin tira du ki à Nobunaga deux ou trois fois plus. C'est une jolie brise. Vous mentez! Cependant, je n'ai pas besoin de vent. Rengoku? Gah! Rengoku frappa doucement Kairin. Ce fut suffisant pour l'écraser sur le mur. Son nez se brisa et du sang volait de partout. Ah, ah, ah. Oh. Maître, mes excuses, mais c'était trop de simulation pour Shibi Kibu, il semblerait. On n'a pas eu la moindre chance de faire un massacre. Je comprends. Shikibu, amuse-toi avec. Oui, maître. Après l'information de Nobunaga, les yeux de Shikibu deviennent humides de joie alors qu'elle faisait face à Kairin. Ne gâche pas mon temps à potre. La griffe de Shikibu coupa à peine la poitrine de Kairin. La vue du sang, qui en sortait fit un sourire Shikibu. Prends ton temps, ne le tue pas trop vite. Oui, maître. Ensuite, elle lui coupa un doigt de la main gauche. Ah. Sang, joli. Son bras droit vola. Son oreille suivit. Et pourtant, Kairin continue à se forcer à sourire. Qu'est-ce qui est si drôle? Nous savons où tu es maintenant, démon. Montrer ta présence à un moine tenchiste est là où tu as perdu toute chance. Très rapidement, cet endroit sera assiégé par les tenchistes. Si tes ongles cérébrales les attendent, c'est un fait. Quoi? Tu étais tellement concentré sur nous que je ne suppose que tu ne l'as pas réalisé. N'importe quel moine devrait être familier avec la barrière autour de cette pierre. C'était la première fois qu'Airin semblait avoir remarqué. Gah! Essaye d'informer tes alliés qu'il y a un démon ici autant que tu le peux, mais personne ne t'entendra. Sois maudit! Kairin courut vers la sortie. La jambe de Kairin fut coupée de son corps. Alors qu'il tombait sur le tatami, il laissa un autre hurlement. Oui, c'est ce que je voulais voir. Quand j'ai été divisé en 8, la douleur que j'ai subie était bien pire. Apprends ce que ça fait. Gah! Shikibu jouait avec Kairin comme un chat joue avec une souris. Maître Xavier, il est mort. Trop fragile. Ainsi soit-il. Il a résisté longtemps pour un humain. Oh. Shikibu, ne te plains pas, Maître Xavier. Oh. Nobunaga? La voix de Ku vient derrière la porte. Je suis désolé. Désolé de continuer à venir, je veux juste vous parler. La porte bougeait un peu. Tu ferais mieux de garder ça fermé. Hein? Je ne peux pas... Je ne comprends pas pourquoi vous devez être aussi cruel envers les tenchiistes. De plus, je n'ai jamais passé autant de temps sans vous voir. Alors... Avec de la désespoir dans sa voix, Ku ouvrit la porte. Ku eut un moment de joie quand elle vit le visage de Nobunaga, mais ce fut rapidement remplacé par de la peur. Ah! Le pied de Ku était juste là où la mâchoire de Kairin reposait, séparée du reste de son corps. Ses tripes, membres et globes oculaires se tenaient au milieu d'une mer de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'ai-je pas dit de garder la porte fermée? Nobunaga! Si tu n'écoutes pas ton frère, tu vas avoir une punition sévère. Tu ne le savais pas, Ku? Êtes-vous vraiment mon frère? Non, non!
Ku a disparu. Pas là. Et là-bas. Elle n'est pas là non plus. Princesse! 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 Oh, Kuhime-sama, où êtes-vous? Kusama! Kuhime-sama! Ronmaru-sama, nous ne la trouvons nulle part. Ne paniquez pas. Restez calme et cherchez. Souvenez-vous de vérifier au milieu des... au fond des puits. Et sous les hauts vents. Compris. Maître Rance, nous avons une lettre du temple Noji. Qu'est-ce que ça dit? Je vais la lire. Je n'ai pas vu Kasama dans le coin. Si vous la trouvez, informez-moi. C'est tout? Genre, Nobunaga va même pas venir aider? Apparemment pas. Il dit qu'il ne se sent pas encore bien et qu'il attendra dans le temple Noji pour notre apport. Quoi? Mais à quoi il pense, ton foiré? Il s'en moque de sa sœur? Restez calme, Maître Rance. Peut-être qu'il veut faire quelque chose, mais ne peut pas. Ah, qu'il faudrait se faire foutre. Ah, princesse! Les cheveux, enfin... La coiffure de 3G commence à tourner en rapidement. Son inquiétude grandissante le fit s'élever en l'air. Princesse! Il appuya sur un bouton de... et tenu sa manche à côté de sa bouche. Téléphone yokai, transmission! Kyu, allô, c'est maman? Mauvais numéro! Laissez-moi essayer à nouveau. Allô, c'est moi! Calme-toi, vierge droit. Qui t'appelle? Un yokai que je connais à Owari. Oui, c'est moi, 3G. Ma précieuse Kosama a disparu. Quoi, vous ne l'avez pas vu? Je vois. Désolé de vous avoir appelé. Faites attention à vous. Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Moi, Kosama, où êtes-vous? Princesse! Qu'est-ce qu'il fout? Waouh, il est vraiment haut. Bien. Coup était... Elle ligotait en face de Nobunegada, elle était inconsciente. Que faire? La tuer serait le mieux. Je suis d'accord. Je peux pas vous laisser faire ça. Coup. Sois maudit. Fuis, coup. Nobunaga? Tant que je peux le retenir. Nobunaga? Vite, coup. Eh bien. Pas de mouvement brusque, mon ami. Sinon, je m'arrache la langue. Nobunaga, quoi? Quand tu seras de retour, dis à Rance que je ne suis plus moi-même. C'est un des... Je le jure. Il faudrait mieux qu'il essaye pas d'agir tout seul. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ton frère s'inquiète sacrément pour toi. Nobunaga? Je vois, Nobunaga, tu t'inquiètes plus pour ta sœur que pour toi ou ton territoire. Alors si je fais ça, à quel point cela va te blesser? Nobunaga fermait les yeux et pensa pendant un instant. Ton cœur bat à vitesse remarquable. Tu peux essayer de ne pas exprimer ta peur, mais tu ne peux pas la cacher de l'intérieur. Je vois. Alors laisse-moi faire ce qui sera le plus douloureux pour vous deux. Apprends à quel point tu es tu n'as aucun pouvoir. Et toi, fillette, pleure et souffre. Je ne vais pas te tuer. La souffrance du peuple nipponais est mon plus grand plaisir. Pleure d'agonie. Débat-toi pour moi, incapable de mourir. Rengoku? Oui, maître. Non, reculez! Non, non! Je réfléchis à un truc débile. Si je fais rien pendant, je crois, 3 tours, on arrive avec une badène. À la limite, je vais lire la badène. Comme ça, ça va me chauffer un peu. Et comme ça, je pourrais lire la scène. On skip tout, hein. Je veux juste arriver à la...
voir c'était quoi le... Qui n'a toujours pas été trouvé ? Qu'il a disparu. Pas encore, nous ne l'avons pas trouvé. J'ai tellement peur que je l'ai de vol à nouveau. Non, elle est pas partie avec. Elle pourrait être partie avec un type, hein. Non, pas moyen. Enfin, trouvez-la, c'est notre priorité principale. Oui, mais il ira bien, hein. N'est-ce pas, Maître Rance? Évidemment, elle mourra pas si facilement. Je n'ai pas encore pu coucher avec, et elle a pas moyen de mourir avant ça. Ah. Le château où peut-être tout Wari était silencieux. Il y a deux jours, le corps mutilé de Kuime fut trouvé, c'était le jour de sa funéraille. Merde, pourquoi, qu'est-ce qui... Pourquoi c'est pas arrivé? C'est triste. Sérieusement, ce n'est pas logique que soit parti avec quelque chose. Il y avait quelque chose, ah merde. Oh. Le Monega arriva avec Rengoku et Shikibu. Il s'assit dans le siège le plus haut. Rengoku et Shikibu s'assirent à côté de Rance et Cécile. Tout le monde est là? Oui. Tout le monde... Je suis désolé que vous soyez triste face à l'échec de ma sœur inutile. Je jure, qu'est-ce qu'elle foutait à coucher avec tous ces types? Rance? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait aux gens qui ont fait ça à coup? Je les ai tués, évidemment. Je vois, merci. C'est triste que Rance que Kou soit mort. Mais après être allé aussi loin, il n'y a pas d'autre choix pour le clan Oda que d'aller de l'avant. Pour que Kou repose en paix, nous devons unir le Japon. Les Nippons, Rance, tu as fait de ton mieux. Je ne suis pas encore dans le meilleur état. Je pense que j'irai mieux bientôt. Une fois que ce sera fait, je prendrai les rênes. Continuez à bien travailler encore un temps. Une fois que le meeting soit fini, Rance quitte la salle, etc. Bon travail aujourd'hui, Maître Rance. Rentrons. D'accord. Aussi t'es libre. Hein? Stupide, pas si fort. Je suis désolé. Mais Maître Rance, pourquoi? C'est juste... Ça m'intéresse plus. Quoi? Coup est mort. Et on dirait que Nobune en a rien à foutre. Je sais pas s'il est devenu taré ou pas, mais c'est plus drôle. On s'en va. D'accord, si vous le voulez. Ce jour-là, Rance et Cécile retournèrent aux cités libres. Voilà. Je me souvenais de cette bad end. Mais alors... faire tout ce qui est possible pour retrouver Kouyime. Il faut que j'ai combien? 15. Comment est-ce que c'est possible? Mais 3G-sama, impitoyable. Et dire que je te connais depuis que je suis un œuf. Je suis humain. J'ai même changé tes couches. Je t'ai introduit à ta femme. C'était un yokai cependant. Non seulement ça, mais c'était un travesti qui a fui après notre première réunion ensemble. Vous savez à quel point c'était difficile d'avoir un divorce? Je ne t'ai pas élevé pour que tu me dises ces bêtises. Il est vrai, c'est vrai cependant. Je ne veux pas le croire non plus, je vous l'assure. Qu'est-ce que tu fais? Rance Dono. Il y a encore des problèmes avec le fait de mouiller les draps, donc il me demande des conseils. Non! Arrête de te foutre de moi et dis-moi ce qui se passe. Sinon... Je remplis le nez du visage de milieu avec des haricots. Visage droit. Visage de milieu. Très bien, je vais lui dire. Ed vient de me donner un rapport. Il dit que Kusama a été supposément trouvé. Ouh, où ça? Eh, Syl, amène-moi les haricots. Attends, je vais parler. Dans une forêt près du château, une fille qui ressemblait à Kuama était utilisée par des garçons délinquants, qu'il disait. Utilisée comment? Tu vois, son corps. Je peux pas me dire plus. Où? Dis-moi dans quel morceau de la forêt. Je vais aller voir. 3G a dit qu'elle devait être par là. Yep. Maître Rance par là.
Pas loin de là, il y avait une hutte. Une hutte au profondeur, dans les profondeurs de la série. Une forêt. Exactement comme il l'a dit. Il semblerait qu'ils avaient raison. Quoi? J'entends plusieurs voix de garçons et aussi... Kusama. Maître Rance! Rance courut vers la... la cabane. On ferait mieux d'y aller. D'accord. Merde. En dehors de la porte, Rance entendait des garçons rire. Hé, hey, tu peux bouger? J'ai pas encore joué, moi. Sérieux? Tu peux jouer autant? Je peux tirer plus loin, on va... Regarde. Hé, hey, j'ai dit de la lécher. Bam! Rance écrase la porte avec son épée. Hein? Quoi? Quittez! M'a perturbé. Tia! Rance écrasa le garçon qui venait de salir le visage de Kou. Il se tourna et fait face à l'autre garçon. Un instant, il faut qu'on lui demande ce qui se passe. Ah oui. Hé, hey, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas, quelqu'un nous a dit parler de cet endroit. Qui? Un gros type avec des oreilles, grandes oreilles. Et où est-ce qu'il venait? Je sais pas, j'en sais rien à propos de lui. Il a dit de violer cette fille chaque jour et de ramener des amis et de jamais lui poser, de donner de pause. Il a dit de pas la tuer, de faire en sorte que ce soit aussi douloureux que possible. C'est vrai, je mens pas. Quoi d'autre? Je sais rien, je sais vraiment rien. Et je vous dis ce que vous voulez, me tuez pas. Je dois vous avoir supplié de vous... d'arrêter comme tu me supplies, non? Ouais, elle râlait au début, mais au bout d'un moment, assis comme ça, Kia! Rance le tua. Pourquoi est-ce que quelqu'un te laisserait vivre, idiot? Rance? Hé! Hey. Douleur, va-t'en. Maître Rance, je ne suis pas sûr si Kouimé est consciente. Kou, tu m'entends? Kou tendit une main tremblante. Elle attrapa doucement les doigts de Rance. J'attendais. Kou! Je savais que vous alliez m'aider. Évidemment, je suis un héros. Kou souria gentiment vers Rance alors qu'elle fermait les yeux. Kou! Elle s'est évanouie, ramenons-la. Douleur, va-t'en, va-t'en! Le jour suivant, 3G était assis au porche avec sa tête entre ses mains. 3G, vous sentez pas mal? Je suis désolé, Ersildono. Mais Kusama, comment est-ce que j'ai pu laisser ça arriver? Visage du milieu, votre nez coule, il faut l'essuyer. J'ai tué les sales types, Kou va bien maintenant. Mais si nous sommes tristes, ça va rendre Kou triste. Il a raison. Kusama! 3G, pris Kou dans ses bras. Comme c'est horrible, votre visage est blessé. Et vos bras. Et vos jambes. Non. Kou, 3G touchait les cicatrices de Kou alors et pleurait une rivière de larmes. 3G, ne pleurez pas, je vais bien, vous voyez, je vais bien. Mais, ça suffit, d'accord? Comme c'est intrépide. Merveilleux, Kusama. Me faites avoir pitié de moi-même. Merci, 3G. Ransan? Je veux vous parler à propos de quelque chose. Allons dans ma chambre. Quand Kou essayait de bouger, elle trébucha. Attention. Je suis désolé. Oui, mais tu ne devrais pas te forcer. Ça va, vraiment. Et comment je me sens n'est pas important. Il y a quelque chose dont je dois vous dire, parler. Merci de m'avoir aidé. Je suis désolé de vous avoir inquiété. J'ai fait ce qui était évident, baisse pas la tête envers moi. Merci. Pour être direct, j'étais au temple Onoji. Hein? Morbleu! Tout ça a été causé par quelque chose qui prend la forme de mon frère. C'était notre seigneur? Non, ce n'était pas Nobunaga, mais c'était quelque chose qui le ressemblait. Comment ça? Les personnes au temple Onoji et Nobunaga, mais n'est pas Nobunaga. Je ne comprends pas. Kusama, peut-être que vous avez besoin de sommeil. Vous êtes confuse. Non, je sais ce que je dis. C'est ce que Nobunaga m'a dit. Et il a dit de dire ça à Rance. Je ne suis plus moi-même. Il y a un dé? Oui, c'est ce qui est arrivé quand Nobunaga a changé. Non, je sais. C'était ce qui était à l'intérieur de Nobunaga. Quoi que ce soit à la surface, ça n'était pas Nobunaga. Et la personne à la surface a empêché Nobunaga de parler. Donc il y a Nobunaga, mais ne l'est pas. Est-ce que Nobunaga sera hypnotisé? Ou peut-être qu'il est contrôlé par un yokai? Je me le demande. Je ne sais pas, mais j'ai senti quelque chose de terriblement... violent. Même un yokai avec de mauvaises intentions ne serait pas comme ça. Des...
Peut-être qu'il y a un ninjutsu qui peut contrôler les gens comme ça. Maître Rance, est-ce que... Cool, tu as dit qu'il y avait un démon en Nippon, non? Oui, il y a longtemps, un grand moine a scellé un démon nommé Xavier. Ah! Ku avait l'air choqué. Un moine l'a scellé. Oui, c'était le fondateur du tenshiisme. Un démon, le tenshiisme. Ah! La gourde! La gourde que Nobunaga a brisée avait été donnée à nos ancêtres par les tenshiistes. Est-ce que le démon était là-dedans? Mais quand elle a été brisée, il n'y avait rien à l'intérieur. Cependant, c'est là où l'état de Nobunaga s'est détérioré. Et il a commencé à s'opposer au tenshiisme juste après ce qui s'est passé avec la gourde. Mais est-ce que ce serait vrai? Et Chaos, t'es pas en train de devenir sénile, si? Eh, tu penses que tu parles à qui, là? Ah, désolé, t'as toujours été sénile. Je suis pas. Suzume, amène Chaos près de Nobunaga. Oui, oui. Chaos, tu devrais être capable de dire si c'est un démon d'aussi proche, non? Évidemment. Ok, Doki, je reviens vite. Toute seule avec la ninja grosse poitrine, hein? Allons-y. Faites attention, vous deux. Oui, oui. Je reviens vite. Le nettoyage a mis Oda dans le chaos, vous ne pouvez pas agir ce tour-là. Oui, de toute façon. Alors, je peux faire l'action. Je peux faire l'action et optimiser. Non, non. Il y a un moment où ta gueule l'optimisation. Tu laisses la gamine se reposer. Kojikasama, nous avons récupéré une quantité décente d'argent. Très bien, maintenant on pourra engager plein de soldats pour attaquer Mori. Oui, Kojikasama. Nous avons déjà demandé à plusieurs états de combattre avec nous, mais c'était inutile. Donc, tous les petits travaux à temps partiel pour l'argent. Donc, on a fait tous ces petits travaux pour l'argent pour engager des mercenaires. On a même réduit notre nourriture. On travaille dur. Aujourd'hui, notre but est réalisé. Oui, exactement. Nous n'avons pas la moindre chance dans un combat normal. Donc essayons une attaque surprise en capturant un bon château et en faisant sorte que ce soit notre base. Et puis, tous les restes de Amago devraient nous rejoindre. Ah, ça me met de bonne humeur. Vous voulez un gâteau? J'ai des gâteaux de serre, vous en voulez? Kojikasama, on peut se permettre un truc un peu meilleur. On devrait au moins célébrer. Bonjour. Vous êtes? Loupette. Kojika Yamanaka. Vous n'avez pas utilisé mes services? Il va falloir que je vous demande de payer ma dette. Hein? Pas la peine de jouer l'idiot avec moi. J'ai un contrat écrit de votre part. Ah, c'est vrai, mais c'est mon écriture. Ah, maintenant je m'en souviens. On pouvait pas se permettre de dormir à une auberge, donc j'avais emprunté un peu d'argent. C'était quoi? 10 gold? Ah, j'ai bien plus, là. Ah, ça, c'est la quantité que j'ai donnée. Hein? Par rapport à l'intérêt, ça fait... bah, ça. Quoi? 1000 gold? Mais c'est impossible! Ah, j'ai peur que non, hein. C'est dans les quantités légales d'intérêt. Juste limite, mais vrai. Enfin, va falloir payer. Kawakishi, c'est tout ce qu'on a. Et le... D'accord. Ben merci beaucoup, à la prochaine. Comme si j'emprunterais à nouveau de ta part. Abandonne pas. Désolé, je crois que moi aussi. Écoute, tu veux faire des mandjus avec moi? La lumière est éteinte. Ransan. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Rien, je vais allumer la lumière. Ah, je viens de m'en souvenir. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Quoi? C'est mon coquillage rire favori. Tiens, mets-le à côté de ton oreille. D'accord. Ça rigole, de l'intérieur du coquillage. Cool, hein? Tu peux l'emprunter. Mais juste l'emprunter, hein, tu peux pas le garder. Je peux pas? Non, je te laisse juste l'emprunter. Mais tu as dit que c'était spécial. Normalement, je laisserai jamais... je prêterai jamais un coup de mes coquillages à quelqu'un. J'apprécie. Merci, Ranson. Pat. Rance caresse à la tête de coup. Essaye de te reposer. Je le fais. Ranson,
Si Nemonega est vraiment un démon... qu'importe, ce n'est rien. Laisse-moi faire. Hein? Ok? D'accord. Ouais, à plus tard. Oh, il reste pas assis dans le noir. Va à l'entrée. Je vais envoyer Syl te faire du thé ou quelque chose. D'accord. Bonjour, Ransama. Ah, je suis agacé, agacé! Bonk! Rance frappa un commandant qui passait par là aussi fort qu'il pouvait. Gya! Splash! Le commandant tomba dans les temps. Barg! J'ai rien fait! Ok. L'équipe d'infiltration de Nodji a un rapport à propos de Nobunaga-sama. Chaos-kun? Ouais. Bon, pour être direct, c'est un démon. Morbleu! Rance caressa la tête de coup. T'en es sûr? Ouais. Juste pas encore entier. Hein? Quelque chose manque, donc je peux pas dire que c'est vraiment entièrement un démon. Le sceau. Le sceau n'a pas encore été entièrement brisé, c'est probablement la raison. Probablement. Kou ferma doucement les yeux, les ouvrit à la même vitesse et parla à nouveau. Il y a une chose que j'aimerais demander. Est-ce que le corps de Nobunaga est simplement possédé par Xavier? Quand j'étais capturé, j'ai vu mon frère me parler. Est-il possible que le démon n'ait pas encore le parfait contrôle de son corps? Comme tu l'as dit avant, petite dame, Xavier était probablement emprisonné dans ses gourdes. Et quand Nobunaga en a brisé une, Xavier est entré dans son corps. Un petit peu de l'arbre de Nobunaga reste, mais je ne pense pas combien de temps ça va durer. Désolé, je peux pas te donner les réponses que tu espères, mais il n'y a pas moyen de ramener ton frère. Ce n'est plus un humain, c'est un démon. Qu'est-ce qu'il essaye de faire en fait? C'est une supposition, mais nous savons que Xavier a été scellé dans les gourdes tenchiistes. Il y a 8 de ses gourdes. Les Tenchiistes les ont données à des seigneurs à travers le Nippon. Te faire unifier le pays et battre les autres seigneurs afin de pouvoir détruire les gourdes est ce que je pense qu'ils souhaitent. Ah ouais, est-ce qu'est-ce qui est arrivé aux gourdes des états qu'on a détruits? Nobunaga-sama, ou plus bientôt l'escouade Mikasa de Xavier, cherchait des trésors. Des orbes, ce qu'on m'a dit. Ils ont dû prendre les gourdes. Il semblerait qu'on ait été utilisés. Ah, j'aurais dû faire quelque chose à propos de ça. Ouais, mais... Maître Rance. Ouais. Bon. On sait tout ce qu'il faut faire. Mais avec Kou ici, je ne sais pas qui va le dire. Faisons-le. Kusama? Bâton Xavier. Ouais. Mais Kouime, tu es sûr que tu veux faire ça? Oui. Très bien. Maître Rance? Mais tant que Xavier est déguisé en tant que Nobunaga, c'est le seigneur d'Oda. S'il remarque ce qu'on veut, nous sommes en... ça va être un problème. Prépare-nous à combattre en secret. Oui, oui. Ah, toute cette histoire, c'est chiant. Donc, il faut considérer, en considérant les apparences, ça va donner l'impression qu'on est en train d'essayer de renverser notre seigneur. Les vieilles troupes de Nobunaga vont pas être heureuses, je pense. On va s'arrêter là pour ce soir. C'est la... Genre, j'ai fait le jeu 3 ou 4 fois. Cette scène m'agace toujours autant. Pas... Genre, vraiment, elle m'énerve. Donc ouais, demain, on tue du démon. Bref. Je vais finir par me lancer une partie de Hotline Miami, ça va me détendre. Bon, sur ce, bonne nuit. Et à demain. Allez.